Oui, que ça aurait été une vidéo qui est donc trop lourde. Et j'ai par ailleurs, donc, pour vous dire, un PowerPoint et puis un petit montage à côté. Je compte naviguer comme ça. Ça va? Ok. 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 Super. Merci beaucoup. À plus tard. E quindi invece ci sono dei precedenti anche del movimento diverso. Allora, quando noi ci presentiamo in tre tipologie di fische, non si riesce a parlare di Anaicon e di tutto quello che è. Quella dalla Rita Messori, quante? Due mosse. Ah. Infatti, Jacopo ha detto, si vede che Anna Caterina è l'unica che lavora in Italia. Di noi tre. E quindi, essendo lui un gran paraculo, ho subito sì, fatto. Sì, sì, sì. Ciao. Ai, ai, ai. Hai capito? Sì, sì, ma la quantità di attenzione che io ricevo, so che sono molto spesso delle attenzioni deviate. Bon, écoute, je suis prête. Tu peux? Ouais, impeccable. Est-ce qu'il y aurait une petite bouteille d'eau que je, ou un verre, je peux le remplir aux toilettes? Je l'ai mis là, mais je prends. Est-ce qu'il y a du son? Il n'y a pas de son, alors, tout va bien. Bon, c'est pas grave, je peux faire le son aussi. Il y a bien du son. Il faut juste leur dire qu'il faut. Ouais, d'accord, je leur dirai. Philippe. En tout cas, on peut commencer, j'improviserai. Ça fait partie du. Merci beaucoup, Jacopo. Ah non, Alice en a aussi. Ça, c'est de Bernard. Tout à l'heure, on va essayer. Je vais chercher Philippe. Ok, ça marche. Non, parce que ce serait une vidéo. Ah. En fait, tu vois, l'intérêt, c'est que les deux points de vue mouvants s'accordent. Mais c'est pas grave. Et on n'arrive pas. Non, c'est les fichiers sont trop lourds. D'habitude, je le fais avec Zoom. Je suis partie du principe qu'il y avait Zoom. Mais ouais, voilà, non. C'est pas grave. En fait, là, c'est l'ouverture vers la prochaine conf de mec. Et maintenant, tu sais quel type de problème technique tu pourrais rencontrer. Carrément. Non, mais j'espère qu'on comprendra un peu, quoi. C'est-à-dire que là, tu vois, c'est ça que je veux montrer, c'est que je me cadre par l'image. Ce qui est complètement différent de faire ça. Mais il faut que l'image soit mouvante, pour qu'on comprenne l'idée d'une image caméra. Bon. C'est comme ça. Mais il est parti où, hein? Je ne sais pas. Peut-être demander pour la pour le son. Ah ok, parce qu'il y a toujours pas. On va voir. Si peut-être. Non. Non, mais on attend. Là, c'est. On doit être parti voir Philippe. C'est toi la modératrice. Ouais. Ah ouais, donc tu fais vraiment hyper intense la journée, quoi. Oui, c'est la matinée, tu étudies dans le collège hier, tu vois. Tu vas me donner le matin. Au bar, tu sais, à 1h du matin.
c'est bien, ça me plaît. Nous sommes désolés, nous attendons de résoudre un petit problème technique. Là, le son, il est... Si je peux me permettre de vous relancer ici pour éviter de... Allez-y, vous pouvez faire les réglages, c'est pour éviter de spoiler. Ah. Vous voulez vous asseoir? Bon, je peux doubler une performance de réaction de... C'est que ici. À la limite, on peut mettre le son de l'ordi et l'amplifier avec le micro. En parlant de hacking. C'est pas grave. Je vais doubler. Non mais après moi tu peux. Je suis pas obligée de parler dans le micro. C'est ça, porte. Je pense. Oui, parce qu'il y a le streaming. Ah, donc c'est important, ouais. Je parle dans le micro. Ça y est, je commence. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette deuxième journée de colloque. Nous sommes désolés, nous avons eu un petit... dysfonctionnement de la machinerie, mais nous avons appris hier que ça fait tout à fait partie de nos stratégies de réinjecter de la virtualité au sein de nos interfaces écraniques. Donc on accueille cette adversité et Alice est suffisamment familiale avec cette démarche. Et donc voilà, j'ai le plaisir de vous la présenter. Alice Lenay est artiste-chercheuse. Sa réflexion porte sur la communication et l'attention à l'autre, notamment par le biais des écrans, caméras et de ce qu'elle appelle des cam-écrans. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Paris 8, où elle enseigne et développe ses recherches théoriques et pratiques, notamment au sein de l'équipe TIMED, Théorie, Expérimentation, Art, Médias et Design, du laboratoire Art des Images et Art Contemporain. Et elle est aussi membre du projet de recherche Vivre parmi les écrans depuis quelques années. Et donc, je lui donne la parole et aussi l'action. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être là ce matin et puis surtout merci aux organisateurs
de ces rencontres et au groupe Vivre parmi les écrans, qui donc agit aussi depuis une dizaine d'années, qui m'a beaucoup portée dans ma recherche. Donc pour ma part, aujourd'hui, je vous propose une discussion autour de cette forme vidéo particulière, forme vidéo qui ne cesse de se développer en ligne aujourd'hui, les vidéos de réaction. C'est dans mon titre. Ces vidéos peuvent prendre plusieurs formes, mais elles consistent essentiellement, tout est dans le titre, à se filmer face à l'écran, réagissant aux images qui s'y affichent. Alors, il s'agit d'un terrain de recherche, un nouveau terrain de recherche que je suis en train d'ouvrir. Tout ça est assez neuf, donc je vous invite aussi à un travail de reconnaissance avec moi de ces différentes formes vidéo. Comme le disait Anna Caterina, cette forme m'intéresse dans la continuité de ma thèse, qui s'intéressait aux visages et aux écrans, et en particulier aux relations que nous pouvons avoir avec d'autres visages sur écran. Et je me demandais quels effets de continuité pouvaient s'établir entre nos deux visages, voyant et vu, sur l'écran, quelle continuité pouvait s'établir, est-ce qu'il était possible de partager un milieu commun par l'intermédiaire de caméras et d'écrans, donc, comme disait Anna Caterina, souvent combinés sous la forme de cam-écran. Ces écrans, hein, l'écran est premier, chargé d'au moins une caméra tournée vers l'utilisateur ou l'utilisatrice, parfois de part et d'autre de l'écran, donc ici nos ordinateurs, nos smartphones. Voilà, j'ai voulu observer comment ces cam-écrans transforment nos visages et donc nos rencontres. C'est pour ça que la vidéo de réaction m'intéresse. Qu'est-ce que cette forme vidéo provoque dans notre interprétation des images? Est-ce qu'elle ouvre un milieu, un terrain de rencontre possible? Comment est-ce qu'elle permet d'habiter les images, de les comprendre ensemble, peut-être? Voilà les questions que je me pose. Et l'intuition que j'ai au départ, c'est que le visage ouvre une distance, puisque le visage est toujours à la fois double, à la fois voyant et vu, puisqu'il a besoin de cette distance pour exercer son regard. En se filmant lui-même, il ouvre une distance, et peut-être dans l'espace de cette distance s'ouvre également la possibilité d'une forme de socialité, en tout cas d'une connexion très charnelle entre nos corps isolés devant nos cam-écrans individuels. Nouvelle difficulté. Voilà un petit peu le type d'image auquel j'aimerais bien qu'on réfléchisse aujourd'hui. Et je vais procéder en trois temps. Premièrement, je vais m'intéresser, c'est assez historique en fait, ces trois modes de vidéo de réaction que j'essaye de dégager. Trois modes donc de visage vu-voyant. Le premier, regarder, qui est un petit peu le mode de la vidéo de réaction que je dirais contemplative, qui a déjà été étudiée, explorée en tout cas par des universitaires, des artistes. Et il s'agit d'un visage plein écran, en gros plan, qui est en train de regarder des images qui nous restent invisibles. Donc ça, ce serait la première forme. Et puis, je m'intéresserai à ce type d'image, donc, qui compile à l'intérieur d'une même vidéo à la fois le visage de la personne qui réagit, apposé à l'image qui est en train d'être vue. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéressera beaucoup. Comment regarder avec? Et j'essaierai de caractériser la particularité de ce mode de vidéo de réaction qui montre donc le visage vu voyant et ce qui occupe son regard. Et enfin, j'essaierai d'ouvrir avec les dysfonctionnements qui font ce milieu technique actuel, d'ouvrir sur une troisième forme de vidéo de réaction qui serait regardée dans, avec la pratique de l'incrustation. Qui m'intéresse donc pour un nouveau terrain, pour un futur film. Premier mode classique contemplatif, je reviens évidemment à des modes de captation des regardeurs, regardeuses derrière les écrans, une chose qui en effet n'est pas du tout nouvelle, le dispositif d'observation des personnes qui reçoivent, qui portent leur attention aux objets, aux images n'est pas nouvelle. J'ai mis simplement ici quelques exemples, Bill Viola, dans Reverse Television, 1983, Abbas Kiarostami, Shirin, Leboeuf, Franco et Turner, hashtag All My Movies, et jusqu'en 2008, où la pratique de la vidéo de réaction dans sa forme amateur, qui est la forme qui m'intéresse, donc dans sa publication en ligne, adressée à un public d'autres anonymes, seuls devant leur cam-écran, démarre surtout donc en 2008 avec une vidéo virale dont vous avez peut-être entendu parler.
s'appelle Two Girls One Cup, une vidéo pornographique scatologique extrêmement violente. Et donc l'usage a été de se filmer en train de prendre en pleine face le choc des images et donc de documenter l'événement des images sur le visage, comme en ricochet de l'image. On a donc ici, avec cette forme de vidéo de réaction, un effet miroir, d'autant plus si je me trouve moi-même dans le même positionnement face à mon cam-écran personnel. Contrairement aux premiers exemples que je montrais, où on est encore dans le côte à côte de la salle de cinéma ou dans l'espace de la galerie partagée, ici on est dans un face-à-face de cam-écran personnel à cam-écran personnel. Et entre nous, l'image se trouve invisibilisée. L'image que je vous montre ici est issue d'un film de found footage, un montage de Emmanuel van der Oera, qui s'est intéressé donc à ces vidéos de réaction en 2014. Il produit donc un montage d'une sélection de réactions à une même vidéo. Donc on va avoir pendant 30 minutes une série de visages qui réagissent à la même vidéo, apparemment d'une grande violence. Il s'agit de la vidéo d'un meurtre. Et donc on voit ces visages qui se font le relais de la vidéo, qui éclairent différemment, à la manière d'un miroir de Méduse, donc ce monstre qu'on ne peut pas regarder directement. Un petit peu comme des visages garde-fous qui ne permettraient de saisir qu'un écho de l'image. Et je vous montre tout de suite un extrait de ce film pour vous mettre dans l'ambiance. Autre difficulté, pendant que ça tourne, il n'y a pas de son dans les images. Donc je vous fais un doublage. Ici. Est-ce que tu peux mettre en plein écran ? On demande ça de. Il faut s'imaginer un petit bourdonnement. Bourdonnement du micro amateur. Il faut imaginer des sanglots, sanglots, respiration altérée, gémissement, pleurs à nouveau. Vous avez une idée de donc l'intensité de ces réactions qui occupent les visages réagissant à l'image. On a donc une série de cadres isolés qui sont reliés les uns aux autres dans le montage au fil de variations d'une même réaction, réaction collective dispersée. La pratique, appuyée par le montage de van der Oera ici, semble être une façon de faire groupe malgré l'isolement inhérent de nos cam-écrans individuels, et de plus en plus individuels. C'est ça mon hypothèse. L'enjeu de la vidéo, qui est vue, bien plus encore que la mise à l'épreuve d'une croyance, est-ce que ces images sont vraies ? Est-ce vraiment une vidéo porno scatologique ? Est-ce vraiment un meurtre avec du vrai sang, etc. ? Plus encore que la mise à l'épreuve de la croyance, ce qui se donne à voir, ce qui se joue dans ces vidéos, c'est la relation entre le réagissant et la position de témoin qu'occupe la caméra. C'est ça qui donne à l'image vue son intérêt. La force de l'image est dans la réaction qu'elle provoque plutôt que dans sa teneur indicielle. Une seule chose est sûre ici, le corps réagit. C'est notre seul indice, notre seule preuve de l'effectivité de la puissance de l'image. Voilà un peu donc pour ce que je voulais dire sur ce premier mode de la vidéo de réaction. Regardez, regardez. Le dispositif ici est toujours le même, celui de capter dans un cadre donné, de cadrer, donc évidemment par le cam-écran, mais aussi le cadre social, de capter une expression en train de se former, de capter l'événement de l'image sur le visage. Cette série intensive qui anime le visage, pour le dire avec Gilles Deleuze, voire les réflexes organiques, gastriques, qui animent le corps, attestent de cette pleine authenticité du moment présent de la confrontation. C'est ce qui fait sortir le corps
de la maîtrise de sa représentation. Alors, c'est le cas là des meurtres gore ou des vidéos porno scatologiques, mais ce serait également le cas des vidéos que vous connaissez peut-être, de vidéos gags, drôles, ou de militaires. Il y a toute une veine de la réaction de vidéo, de la vidéo de réaction, qui capte des militaires qui surprennent leur famille en rentrant de mission. Donc là, plutôt du côté du mélodrame, ou des personnes qui retrouvent soudainement Louis avec des appareils, ou qui retrouvent soudainement les couleurs, et donc de capter l'événement d'une transformation qui garantit l'authenticité d'un mouvement affectif du côté du corps. Ces réactions viscérales donnent à sentir donc l'affect, l'affect où l'entend le philosophe Brian Massoumi, à savoir une réaction physiologique qui précède la ressaisie cognitive de l'événement, qui précède la possibilité de qualifier ce qui s'est passé dans le corps comme une émotion. L'affect viendrait donc lire, révéler une mémoire inscrite à même la peau, et le corps agirait là donc comme un médium en miroir des images, comme une surface d'expression. Il agirait comme un écran, redoublement de l'écran, écho de l'écran, couture intérieure de l'écran. Nous pourrions donc qualifier ces vidéos de réaction avec Linda Williams comme des films de corps, comme le mélodrame est un tire-larme, comme la pornographie cherche à nous faire jouir, que le film d'horreur cherche à nous faire sursauter. Ici aussi, les vidéos de réaction convoquent le corps de façon directe, charnelle. Pas question de laisser le corps endormi dans son fauteuil, dans la salle de cinéma. Il s'agit de le reconvoquer, de l'animer devant les images, par les images. Et cette authenticité indéniable du corps, qui réagit devant les images, nous influence en retour. C'est ça aussi la force de ce premier mode de vidéo de réaction, regardez, regardez. Il nous influence en retour, il se communique pour ce qu'il convoque et témoigne de réflexes émotionnels profonds, fondamentaux, donc la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, la colère, la surprise. On pourrait presque parler ici d'une pornographie émotionnelle qui permet d'ouvrir la voie, possiblement, à une catharsis de nos propres émotions, ou tout du moins une fascination absorbée. Je regarde le militaire qui rentre de mission pour pleurer sur ses retrouvailles, en me déresponsabilisant aussi l'effet politique de ces images-là et de ce qu'il m'invite à ressentir, en tout cas par une prise émotionnelle affectée. Voilà, je conclue sur cette première forme qui nous engage donc en écho aux réagissants, dans une potentialité de l'image, dans une empathie sans contexte, en flottement spéculatif, un face-à-face donc en miroir, de visage à visage réagissant, l'affect qui se transmet en écho. Regardez, regardez. Deuxième... ah oui, voilà, j'avais pris celle-là parce qu'elle est... C'est pris depuis le même cam-écran, c'est un peu plus intéressant cette image. Deuxième forme, regardez avec. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vidéo de réaction quand l'image du visage vu voyant est liée à l'image qui est en train d'être vue? Alors aujourd'hui, les vidéos de réaction se démultiplient en nombreuses variantes de dispositifs de captation, de mise en scène, de montage, mais l'usage de plus en plus courant, c'est d'apposer ces deux images-là. Ça m'intéresse parce que je me demande comment on voit ensemble ou comment on met en scène le fait qu'on puisse voir ensemble la même image. Je vais montrer deux exemples. Alors, je vous prie de me pardonner, j'ai pris des exemples un peu à la volée hier, c'est peut-être pas les meilleurs, mais ça nous donnera une idée un petit peu des modes de captation de ces réactions qui sont tout à fait différentes, vous allez le voir. Ici, les visages ne contemplent pas les images, ils ne sont pas seulement réagissants, passifs, ils s'en emparent activement en la commentant, en la lisant, ils deviennent des réacteurs, des acteurs de la réaction. Première configuration classique de ce type de vidéo, c'est donc celle-là, deux images indépendantes, deux perspectives différenciées, c'est important quand on va parler d'incrustation, qui s'assemblent donc dans un montage. Je vous montre tout de suite un extrait de Mama Dr. Jones, pour que vous ayez une idée aussi d'une autre forme d'intensité émotionnelle. Ah, il va falloir que je double. Juste en anticipation, vous verrez ce visage extrêmement enthousiaste. Welcome everybody, bienvenue, welcome to a new video, I'm Mama Dr. Jones, and we're gonna watch together, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'elle le dit, mais we're gonna react together to a new episode of I Didn't Know I Was Pregnant. I Didn't Know I Was Pregnant, c'est une émission de télé-réalité où des acteurs rejouent des histoires vraies.
Mama Dr. Jones est gynécologue, elle va ausculter les images pour y apporter des commentaires éducatifs, des anecdotes personnelles, par de multiples arrêts sur image. Mais pour vous donner quand même une ambiance au moins visuelle d'un type de réaction très classique qui s'étend dans du long terme, c'est-à-dire plutôt 10 ou 15 minutes, ce qui est quand même déjà assez long sur YouTube, je vous montre un extrait. OBGYN React has a lot of drama to announce that I'm watching a TV show with you guys again. Oh my god, it's twins! I've always been heavy set. I'd weigh myself all the time. I knew I would never be that perfect size. I just have to deal with that. At the age of 24, 5'7" Jasmine has ballooned to 350 pounds. Okay, first off, can I just say, that's like, why would you put it like that? Come on, TLC, ballooned to a certain weight, like, that is so disrespectful of this person and anyone else who struggles with their weight. They literally just said, this person is self-conscious and struggling with her weight, and then they follow that up with, and she's ballooned to whatever pounds. Like, how rude, just leave that out. Like, that editing, that just makes me uncomfortable. Vous avez donc une idée du mode d'adresse de la vidéo de réaction. C'est vraiment un exemple parmi des centaines et des centaines de ce qu'il est possible de faire. En tout cas, une norme qui est en train de se mettre en place où il s'agit à la fois d'appliquer un savoir légitime tout en composant avec la sympathie du réseau social et pour y insérer donc des jugements de valeur, en l'occurrence ici donc la façon dont cette émission de télé-réalité présente les choses. Donc cette configuration de la vidéo de réaction pourrait s'apparenter à un champ contre champ. Alors ici, j'ai choisi, et à vrai dire, c'est particulièrement le cas pour des vidéos assez longues comme ça, une vidéo où ce n'est pas vraiment le même cam écran qui est utilisé. Vous voyez une variation d'angle de prise de vue. On n'est pas depuis le même appareil. Ça se fait habituellement dans la vidéo de réaction d'être à l'interface du visage vu voyant et de ce qui est vu, donc de nous matérialiser sur cet appareil-là, à la fois capable de percevoir par la caméra et d'afficher par l'écran. Mais ici, il semble que Mama Dr. Jones laisse de la place à son public en décalant cet angle de prise de vue, ce qui permet en fait d'une certaine façon de respecter une forme d'espace personnel avec les futurs spectateuristes, pour éviter d'être en pleine face, beaucoup trop proche du visage des futurs spectateuristes, et donc créer un angle qui permet de regarder à côté, de faire de la place à l'image entre nous. On pourrait parler d'un champ contre champ, sauf qu'ici donc, au salon du regardeur, de la réactrice ici, s'oppose non pas l'endroit où l'écran est posé, mais les images mêmes. L'assemblage de ces deux images suggère donc que deux milieux pourtant différenciés appartiennent au même écosystème, cet écosystème ou exosystème qui est celui donc d'une subjectivité qui explore le monde. Deuxième exemple, un peu plus centré sur l'affect et des images qui, vous allez le voir, sont beaucoup moins dans la longueur. Si on peut, pour vous donner l'échelle, ce type de vidéo est plutôt, prend plutôt son temps. Je vous montre un autre exemple de vidéos beaucoup plus courtes qui vont nous permettre de saisir là une influence sur la lecture de l'image qui est beaucoup plus ténue, beaucoup plus synchrone, beaucoup plus charnelle. Dans le cas de Mama Dr. Jones ici, on est au moins à deux en train de regarder la même image, même si nous sommes soumis aux arrêts sur... aux arrêts de lecture de la réactrice. Ici, vous allez le voir, avec Ben Telect, j'ai essayé de prendre des gens qui avaient beaucoup de vues hein, pour montrer que c'est un phénomène. Ici, il a 10,3 millions de followers. Ben Telect, sur TikTok, lit des blagues. Je vous mets un extrait tout de suite. Ah, il va falloir du son, même. When I'm trying to sleep and someone finally decides to answer the text I sent them. People with iPhones when Apple releases the same issue every year. I can't believe it. When you
miss someone's call, but you call back in 0.4 seconds and they don't answer. What's up with this? Pros and cons of making food. Pros, food, cons, making. When you're an adult, but you feel like a kid faking their way through life. Yes. All right. Vous avez une idée donc de cette, ce mode d'influence qui ici essaye de caler de façon tout à fait synchrone la réaction corporelle, en l'occurrence ici donc non plus le dégoût ou la peur, mais le rire. Sa spécialité donc c'est d'enchaîner des vidéos très courtes comme ça, en lisant des mèmes, des blagues, pour produire des effets de chute, alors par son rire d'une part, qui conclut donc ces très courtes vidéos, mais aussi comme vous l'avez vu, en déplaçant l'image du visage pour s'assurer que nous lisons en même temps que lui la plaisanterie. On a comme ça une rythmique perceptive avec la lecture à voix haute, le fait qu'il relise les blagues en même temps que nous, et le fait que le visage masque la fin de la phrase qui nous empêche de naviguer dans l'image. Impossible donc aussi de se divulgâcher, de se spoiler la fin de la plaisanterie pour être sûr que nous synchronisions ensemble notre réaction. Donc cette image mobile, là, en incrustation, mais préenregistrée, nous contraint à naviguer dans l'image de la même façon que le réacteur l'a fait, que ce soit en direct ou au montage. Impossible de prendre du recul sur la lecture de l'image. Pour cette deuxième, ce deuxième mode de vidéo de réaction, voir ensemble, ce que je veux montrer, c'est que dans cette découverte synchrone d'une même vidéo, quand bien même la réaction est enregistrée, se réintroduit une forme d'immédiateté partagée qui est la découverte de la vidéo. Dans l'asynchrone du réseau social se réintroduit le direct de la réaction. Et c'est cet effet d'immédiateté couvre les vidéos de réaction comme une stratégie ou une tentation de nuancer la solitude de notre consommation des écrans. C'est en tout cas enfin, voilà, l'hypothèse que j'ai. Ces vidéos de réaction ouvrent un espace de socialité particulier, donc celui d'un regard conjoint sur un même objet. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de leur succès, ces réacteurs reçoivent de la part de leur communauté, donc je vous ai mis hein, là 10,3 millions d'abonnés, ils reçoivent de la part de leur communauté des images pour lesquelles on attend leur réaction, interprétation. Donc ce ne sont pas donc seulement eux qui sélectionnent ce qu'ils veulent montrer d'eux-mêmes, mais la communauté qui oriente la consommation du contenu. Alors peut-être pour savoir comment penser un objet, pour vivre par procuration certains événements, la façon des corps proxy, il y a toute une veine de la réaction de vidéo qui consiste à ouvrir des paquets, et donc à découvrir ce qu'il y a dans les paquets. Donc une certaine exploration du monde. Il s'agirait donc, dans ce mode de production, de trouver un humain à qui je peux confier mon interprétation des images, comme une chaîne de télévision qui fait la médiation du monde, avec donc son savoir-faire aussi, la technique de mise en scène de soi. Une personne sous l'influence de qui j'accepte de voir les images. Nous regardons avec, donc, puisque nous sommes témoins d'un face-à-face déjà en cours, entre le visage et l'image, nous avons à trouver une place à côté, avec un autre humain qui se fait le médiateur ou la médiatrice des images. Cette hypothèse est simple, mais pleine d'enseignements, il me semble, sur l'éthique et la politique de notre rapport aux images aujourd'hui, un rapport d'influence par le biais d'une interprétation humaine qui décide de nous affecter, de nous engager à un niveau charnel, intense, pour ranimer nos corps endormis devant les écrans. Pour le meilleur et pour le pire, donc en créant possiblement ce corps zombie, somnambule, qui apprend à réagir aux images d'une certaine façon. Voilà ma deuxième approche, et la troisième sera beaucoup plus courte, puisque c'est une ouverture sur un troisième mode de vidéo de réaction qui jouerait sur l'incrustation. J'ai mis ici une impression d'écran de Paul Sermon Telematic Vision en 1993 pour montrer là aussi que cette forme d'approche de l'image n'est bien sûr pas nouvelle. C'est également l'approche de la météo, qu'on connaît bien. Voilà, je voulais terminer avec cette nouvelle approche de la vidéo de réaction qui insiste encore différemment sur l'implication du corps. Cette pratique de l'incrustation en direct, contrairement à Bentelect qu'on vient de voir, l'idée d'une incrustation qui suit les contours du corps et qui dépend des déplacements du corps devant le cam-écran et non d'une image préenregistrée. Sur YouTube, cette approche est pratiquée par exemple par Rachel McSai ou Cray Cray Jay,
qui essayent donc de garder une continuité plutôt correcte entre la captation de leur corps et les images dans lesquelles elles s'insèrent. Ici, vous voyez donc la réactrice qui s'insère dans le film Pride and Prejudice. Ces youtubeuses essayent de respecter les échelles de plan, les costumes et puis partiellement les couleurs et les lumières pour transporter leur corps dans l'image, ne faire plus qu'un, pour partager la même perspective, donc en accordant deux distances à l'écran. Pour apparaître dans l'image, pour composer avec cette image-là, je dois accorder la distance que j'occupe localement avec mon cam-écran à la distance qui a permis de capter ces personnages au moment du tournage. Pour vous donner là aussi une petite idée. Voilà, vous avez un peu l'idée de cet accordage. Alors, si cette continuité est bien souvent visée dans l'incrustation des films classiques, ici, le jeu du fan, de la fan, occupe une place ambiguë entre, d'une part, l'incrustation, et de l'autre, son commentaire, la réaction. Il y a un rapport d'extériorité, malgré tout, au film qui est cultivé pour mieux insister sur la personnalité de la réactrice par rapport à l'image. Comment faire le commentaire de l'image tout en l'habitant ? Cette continuité amusante compose avec une autre donnée importante qui est l'autonomie amateur. Pour pouvoir se fondre dans l'image, la réactrice doit regarder en même temps que nous l'image qu'elle produit. Là aussi, contrairement au film classique où l'incrustation veut que l'acteur ou l'actrice joue et qu'après coup, on accorde l'image à ses mouvements, ici c'est l'inverse. L'image agit comme un indice qui active le corps devant l'écran. Elle dirige le corps. La réactrice se fait pousser par l'image, animée par l'image. Donc ce n'est plus du tout l'événement provoqué par l'image qui fait l'objet du spectacle, mais la symbiose entre l'image et la personne qui réagit à un niveau non plus seulement affectif ou de commentaire, pour reprendre les deux premières parties, mais spatial. Il s'agit ici de reprojeter l'image bidimensionnelle dans un espace en trois dimensions, l'espace que j'occupe devant l'écran, et il va s'agir de chorégraphier l'image pour pouvoir m'y accorder en occupant tout l'espace devant mon écran. Se rejoue là pleinement le rapport du selfie sur le lieu de l'image à la manière d'un tourisme du fan, un tourisme de fanfiction, celui d'être entré dans l'image. Et je pense, je ne l'ai pas dit au début parce que ça m'a loupé ma ligne, mais encore une fois à ce merveilleux chapitre de Mauro Carbone, La séduction des écrans, Viens vivre chez moi dans Philosophie écran. Encore des variations pour essayer de se fondre, d'être en étreinte avec l'image. Il est donc particulièrement important pour apprécier le plaisir malin qui anime le corps de la réactrice, de comprendre qu'elle est également en train de voir ce que nous sommes en train de voir, qu'elle se plaît à s'imaginer dans ce décor fictionnel en même temps que nous. Et c'est là que d'autres difficultés techniques arrivent. C'est donc dans ce dernier type de réaction que je travaille en ce moment, en m'intéressant au domaine du sport et en particulier des Jeux Olympiques. Ce corpus m'a intéressée à un moment où j'étais en manque de corps, un été particulièrement fatigant, et où, endormie devant les écrans, j'ai eu envie de laisser libre cours à mes neurones miroirs en imitant les athlètes que je voyais sur l'écran. Le mode de filmage des Jeux Olympiques a ceci de particulièrement intéressant qu'il met à l'épreuve le corps dans une grille de caméras et d'écrans qui cherchent à mesurer absolument la performance gestuelle. Il s'agirait donc dans ce nouveau terrain filmique pour moi de voir comment accorder deux performances de corps, deux performances gestuelles, celle de l'athlète et ma propre réaction de spectatrice, réactrice, ma propre chorégraphie d'une image que je projetterais dans l'espace tridimensionnel devant mon cam-écran. Malheureusement, je ne peux pas vous faire les démonstrations car il n'est pas possible d'insérer la vidéo autour de moi. Bien sûr, vous comprenez que pour m'accorder au personnage à l'écran, je dois me reculer pour être de pied.
et au moment des gros plans, m'avancer vers le cam-écran. Ici, je bouge par rapport à un cam-écran fixe, mais ce qui émerge également, qui est une forme qui me semble tout à fait inédite et très intéressante, c'est la possibilité de bouger le cam-écran mobile, comme je le fais ici, et donc de penser un mode de filmage à partir de l'image. Ce n'est pas moi qui bouge dans l'image, c'est l'image, puisqu'elle est associée à une caméra, qui me filme. Nous sommes donc face à une image-caméra. Comment comprendre encore plus des modes de symbiose qui impliquent le corps, ici, réellement dans une chorégraphie charnelle avec nos appareils techniques. Je conclue donc sur ce corps filmé en train de regarder les images qui permettrait, c'est à discuter, l'ouverture d'un espace tierce qui est la condition d'émergence de l'image, la mise en relief de son dispositif d'affichage, à savoir l'écran. Pour que l'écran existe, il faut une distance. La bidimensionnalité des images, tout en étant soulignée ici, est également nuancée par la suggestion de cette distance qui permet au regard de s'exercer. C'est-à-dire à la fois je suis tout à fait collée à l'image, en même temps qu'est suggérée de façon très explicite la distance qui me permet de voir en ce moment même les images. En incluant le contre-champ qui justifie l'existence de l'image, parce qu'elle est vue, la corporéité de la perception est explicitée et donc cette mise en distance, cette mise à distance qui permet alors peut-être de prendre du recul sur les images ou au contraire de nous y coller sans plus aucune possibilité de recul possible en nous synchronisant absolument à la vision de quelqu'un d'autre. Alors voilà, est-ce qu'il s'agit de sculpter des réactions par une hypnose affective, d'interpréter le monde? On parlait hier un petit peu au restaurant avec Stanislas de propagande affective qui permettrait d'insister sur la norme, d'insinuer cette norme qui serait insinuée de façon charnelle. Ces films et ces formes de réaction qu'ils documentent ou provoquent, en tout cas, à mon sens, permettent de donner au corps toute son importance dans l'observation des flux numériques, de prendre la mesure de forme de viralité, non pas seulement en termes de partage des images, mais des frissons qui parcourent nos corps, qui nous animent devant les écrans. En somme, ne pas penser la surface de l'écran sans la surface de la peau. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alice aussi pour avoir respecté parfaitement les temps, étant donné qu'on a eu ces problèmes techniques. Et je donnerai la parole tout de suite à la salle pour des questions. Mauro Carbone. Oui, Alice, merci beaucoup, c'est vraiment très stimulant. Et alors, je voudrais d'un côté mieux comprendre le périmètre de la définition de ce que tu appelles un vidéo de réaction, et de l'autre côté peut-être forcer ce périmètre. En te proposant un exemple que j'ai dans mon ordinateur, mais ça serait trop compliqué de le montrer maintenant. Et c'était une vidéo où il y a une petite fille sur dans une plage et qui découvre son ombre. Et donc la petite fille marche sur la plage, remarque qu'il y a quelque chose comme une tache sombre de son côté qui bouge avec elle. Et alors elle s'arrête, elle voit que la tache s'arrête, elle recule et elle voit que la tache recule. Alors, elle s'arrête encore, elle voit la tache au-dessus de soi. Et alors, elle bouge la tête comme ça pour vérifier si le même mouvement s'affiche sur l'écran. L'écran positif qui est la surface du sable. Où le cran négatif est la peau de son corps. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve très beau. Oui, je pense qu'on pourrait la qualifier de vidéo de réaction.
En effet, il y a vraiment une multiplicité de formes. Là, je me suis intéressée aux images qui sont vues, mais ton exemple est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit d'un écran. Et puis, il est très particulier aussi puisqu'il n'y a pas ce cadre social qui est là pour capter la réaction. Mais j'aurais envie de dire que c'est, par surprise, une vidéo de réaction dans la mesure où un événement très affectif et corporel anime le corps et que nous le découvrons en même temps qu'elle. Ce n'est pas une démonstration de l'écran positif et l'écran négatif. Ce n'est pas une démonstration de l'ombre telle qu'elle fonctionne. C'est une découverte avec la petite fille de cette ombre. Et donc, c'est cette connexion. Tout à fait. Et donc, à travers ton propre écran, bah là aussi, c'est parce que tu es un philosophe qui réfléchit à l'archi-écran, donc tu vois aussi en écho ton propre écran qui se redouble dans sa forme initiale par la petite fille. Mais j'aurais envie de le définir aussi comme une vidéo de réaction, dans la mesure où ce qui est jouissif dans cette vidéo courte, c'est l'événement d'une découverte qu'on fait avec quelqu'un. S'il n'y a pas d'autres questions, je profite. Ah, pardon, Gaëlle. Oui, moi je me demandais, est-ce que il peut y avoir une influence du direct par rapport aux vidéos de réaction? Bon, par exemple, je pense à Twitch. Ouais. En fait, c'est surtout du contenu qui se base sur des réactions où, en fait, quelqu'un qui joue à des jeux vidéo et en même temps réagit à ce qu'il fait, surtout quand il y a des nouvelles sorties de jeux vidéo. Et donc, là aussi, il y a les communautés qui produisent des contenus aussi, mais c'est en direct. Donc, je me demandais s'il y avait aussi cet élément. Tout à fait. Cette forme m'intéresse en particulier pour d'un point de vue linguistique. C'est un exercice de formulation de ce qui est en train d'arriver, puisque les streamers, donc dans ce direct, effectivement, de voir ensemble, prennent constamment en compte, on serait plus donc dans ce regarder avec, le deuxième mode que j'essaye de dégager, surtout parce qu'ils utilisent souvent une multiplicité d'écrans et de caméras, et qu'ils explicitent pour leur communauté ce qu'ils sont en train de penser au moment où ils le découvrent, au moment où ils sont en train de le performer. Donc ils ouvrent, c'est assez fascinant, hein, il y a plus ou moins d'explicitation, plus ou moins de personnalité de réaction, mais dans le direct, de dire « Alors voilà, là, on est dans une plaine. » Et qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Une plaine. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Et qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un arrive. Et donc, il y a une façon de matérialiser, de signifier où l'attention se dirige. Donc là, c'est plutôt, on n'est pas dans le réagissant qui se laisse affecter, comme dans le premier cas, mais vraiment dans un effort de commentaire actif de comment est-ce qu'on va interpréter les images en pensant qu'il y a d'autres personnes à côté qui vont avoir besoin de la lire avec moi. Bernie. So thank you for this extraordinary talk. So I just had so many things I would love to ask you about, but I'll focus on one. So I noticed you quantified in some instances, it looked like the number of views some of these videos were getting. You know, and so I wonder if, you know, presumably in a way, these are part of a larger architecture of, you know, algorithmic responses, right? Because there's an overarching system that's giving feedback loops according to watching, getting more and more people watching and so forth. And so I wonder how or if this algorithmic architecture or architectonic system fits into the organization or production of responses collectively. What a great question. Thank you so much. Yes, because it is about the attention, human attention, that is explicitly verbalized, that is explicitly said out loud in front of a video, it could be greatly a tool to feed algorithm in order to understand how humans understand images. And actually, for this very dystopian point of view of the reaction video at first, focused on the human and very kernel interpretation of the images, you can already see automatic voices describing the image. So first, maybe it's for blind people, etc., but then it goes into a loop of the shareness of images in order to make more views. So it creates automatically images that takes really charge
of the spectator by telling him or telling her, telling them what you're supposed to see in the image with automatic voices, and also doubled sometimes with titles. This woman is entering the room, and then you have it with just a title and an automatic voice. The woman is entering the room, and so you it is a great not tool but feed about human interpretation. Yes, scary, very scary. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Oui, alors merci, hein, c'est très intéressant. Moi, je pensais peut-être de manière plus archéologique à la télévision aussi, qui met beaucoup en scène les réactions. On voit des visages incrustés sur les images, d'invités qui réagissent à des images, et puis à la télé-réalité. Une sorte d'industrialisation de la réaction. Et je crois que les professionnels de la télé-réalité parlent de stimulus pour expliquer comment ils construisent en fait la dramaturgie des programmes. Voilà, donc c'était une mise en perspective plus archéologique en termes de remédiation possible aussi. Tout à fait. C'est le même processus en télé-réalité que de créer le cadre autour de quelque chose d'assez vide pour créer l'événement et créer souvent un événement qui joue sur une corde émotionnelle. Mais j'avais même envie de le faire revenir, pas tant au punctum de Barthes, mais même aux flickers du cinéma expérimental. Comment créer des flickers à la télévision aussi, dans la télé-réalité pour essayer d'attirer l'attention dans quelque chose qui demanderait trop d'efforts. Et donc, comment ranimer par ces dispositifs-là nos propres corps devant les écrans, avec toute une ambiguïté, bien sûr, extrêmement complexe. Stanislas. Oui, merci beaucoup, Alice. Non, je me demandais aussi sur une touche archéologique si tu pouvais t'intéresser à formuler des lignes généalogiques qui ramèneraient tout ça au cinéma, et notamment au cinéma des premiers temps, parce que j'ai vu que tu montrais à travers la figure de Shia LaBeouf vraiment la position, disons, du cinéma institué, c'est-à-dire du spectateur passif, etc. Alors que si on remonte au premier temps du cinéma, on voit combien la réaction du public était importante et faisait partie intégrante du spectacle, faisait partie intégrante du film. Il y a notamment beaucoup de... Et ça traverse la question de la notion de communauté qui, à mon avis, est très reprise par les youtubeurs, par les vidéastes. Je pense aux grands poètes symbolistes au début du XXe siècle qui allaient au cinéma pour voir le peuple réagir et qui venaient contempler le peuple, qui hurlait, etc., qui se délectaient de ça. Et pour eux, c'était une forme de communauté qu'ils cherchaient à atteindre dans leur création théâtrale ou dans leur création poétique, etc. Voilà. Super, merci pour ta référence. Mais oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs le même chemin que fait Mauro dans son chapitre sur la séduction des écrans, en redémarrant du cinéma attraction. Il y a toujours, d'une autre façon, ce flickers qui est du spectaculaire de la projection, dont on souligne le dispositif. Coucou et adresse à la caméra pour expliciter ce dispositif de communication. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Et je suis très intéressée par donc ce poète. Et aussi, en dehors du cinéma, je pensais aux montagnes russes que les Russes appellent les montagnes américaines. Mais tu sais, dans les vidéos de réaction, je pense aux photos qu'on prend quand on est sur le char, qu'on est en descente, etc. Et on se contemple ensuite dans la réaction qu'on a eue. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est un sacré dispositif de vidéo de réaction. J'ai l'impression que ça va avec la forme du selfie, vraiment, d'attester de sa présence, en l'occurrence ici, dans l'image, mais en général, de vouloir se raconter. Il y a quelque chose de très... donc, dans toujours ce narcissisme de la vidéo, du réseau social, qui consiste à s'insérer à l'interface des images. Pas seulement pour se voir soi-même, mais pour s'imaginer soi-même comme les autres, pour faire exister mon corps pour autrui, et donc fantasmer la possibilité que ma réaction puisse être partagée et diffusée. Mais ouais, c'est un super dispositif, la montagne américaine. Eh ben, je te remercie, Alice. Merci. Et je pense qu'il y aura
beaucoup de questions qu'on pourra répondre au cours de la matinée. Et je invite Danilo Saretta à nous rejoindre. Pardon, Danilo. Pardon, hein, je vire tout et puis... Tu avais quelque chose à projeter ? Non, 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 pas du tout. Donc, tu peux t'installer ou tu préfères, si tu veux être derrière l'ordinateur. Ok, je crois faire. Voilà, il y a quoi qui te sert de l'eau. Coco. Ah, merci. Voilà, donc je vais introduire Danilo Saretta Verissimo, qui est professeur d'histoire et de philosophie de la psychologie à l'Université d'État de São Paulo. Il a obtenu son doctorat en philosophie et psychologie en co-tutelle entre l'Université de São Paulo et l'Université Jean Blanc Lyon 3. Il est l'auteur de « La primauté du corps propre, position et critique de la fonction symbolique dans les premiers travaux de Merleau-Ponty ». Et de recherche d'articles consacrés à l'étude phénoménologique de la perception, de la corporéité et aux fondements épistémologiques de la psychologie. Merci Danilo. Merci à vous, Anna-Catherine. Bonjour à toutes et à tous. Je commence pour remercier le professeur Mauro Calboni et Jacopo Bodini pour cette invitation. C'est un honneur participer à cet important colloque. Et j'ajoute que j'ai beaucoup appris de chaque collègue jusqu'à présent. Je tiens également à congratuler le professeur Mauro Calboni et son groupe de recherche pour les travaux que vous réalisez et qui sont essentiels pour discuter la culture contemporaine de l'image. Le titre de ma parole, la cible sur les écrans, projection et immersion dans l'expérience des images, j'ai changé un peu le contenu, change un peu le sens, mais ça va aller avec ce titre-là. Je commence. On sait à quel point... je vais juste... commencer à chronométrer ici. On sait à quel point la faculté de vision est associée dans la pensée occidentale à la constitution du savoir et à partir de là au dépassement de distance et à l'assimilation de l'autorité. L'association entre vision, connaissance et cible ou ciblage est tout aussi importante et longue. Jean-Luc Nancy, en traitant de la question des fins ou des finalités, rappelle que dans la philosophie antique, la fin se laisse diviser en deux concepts, scopos et telos. Le concept de scopos vient du mot grec skeptomé, qui signifie observer, examiner, et comprend en lui-même une autre partition. Scopos désigne ce que l'on a en vue, ce que l'on vise, la cible, le but qui se présente à une visée, sans que l'on puisse omettre combien la visée est déterminée par le but. C'est peut-être pour cette raison que le mot désigne aussi en grec celui qui vise, celui qui observe attentivement, qui veille et qui garde, même en qualité de protecteur. Le mot scopos détermine donc le sujet et l'objet du regard attentif, celui qui vise et sa cible. Quant au telos, c'est l'accomplissement d'une action ou d'un processus, écrit Nancy, son développement le plus complet. Le genre de fin compris dans les telos n'est pas de l'ordre de ce qui est visé. Dans les tirs à l'arc, exemple classique pour la différenciation entre scopos et telos chez les stoïciens, l'archer vise sa cible, mais il ne fait qu'espérer l'atteindre en tenant compte des nombreux facteurs qui peuvent servir d'obstacle à cette fin. Une véritable finalité de cette action ne pourrait être déterminée que comme quelque chose qui dépendrait de la volonté de l'archer lui-même, comme par exemple le but de bien viser. En effet, contrairement à la distance qui sépare l'archer et la flèche de la cible, dans une bonne visée, il
il n'y a pas de séparation entre les regards et les buts. C'est ici et maintenant que l'on vise avec excellence la cible. Le telos résiderait donc dans la visée elle-même. Nancy va au-delà de cette relation de visée et affirme « Scopos, c'est le tir à l'arc, telos, c'est la vie et la mort ». Samuel Weber, dans son livre « Targets of Opportunity on the Militarization of Thinking », évoque les privilèges accordés historiquement en philosophie aux questions liées au telos. L'idée de scopos, en revanche, est rarement mentionnée, même dans les dictionnaires philosophiques. C'est comme si la notion de telos se développait en dehors de son nombre scopique, laissant derrière elle ce que serait une relation externe standardisée entre le ciblage et la cible offerte à la visée, pour s'étendre dans une relation interne de développement existentiel et intellectuel. Mais, demande Weber, et si le prosaïque tire à la cible avec la dynamique qui est présente, en d'autres termes, et si les scopos étaient pensés comme une expérience limite, cela n'aurait rien d'étrange, compte tenu de la puissance d'un mot qui désigne en même temps l'objet et le sujet de l'action de voir, de viser, en considérant les possibilités d'une expression dont la sémantique dépasse déjà les distances et les différences du processus désigné. Que signifierait, alors, avoir comme finalité, précisément, le devenir scopos ou la réalisation complète du scopos? Qui aurions-nous si nous assistions au plein développement de la dialectique, non seulement entre regarder et être regardé, mais aussi entre cibler et être une cible? Quel type de sujet et d'objet, quelle forme de subjectivation serait impliquée dans cette dynamique et quel type de fin serait requis? Et comment un tel dispositif serait-il mis en place? Les conditions sociales, culturelles et économiques de la vie contemporaine fournissent des indications significatives de ce que l'on peut considérer comme des développements radicaux de vicissitude de l'attitude scopique. On peut citer dans ce contexte les regards de survol des sciences, les technologies de voir d'application militaire et les dispositifs d'image qui empruntent notre vie quotidienne, tous animés par l'idée de cible, c'est notre hypothèse. Un élément important qui renforce cette lecture est ce que Kenneth Rogers appelle les complexes de l'attention. Depuis le 21e siècle et de façon... depuis le 19e siècle et de façon plus intense au cours de ces premières décennies du 21e siècle, la production des connaissances scientifiques, l'investissement des capitaux et les techniques et pratiques selon lesquelles l'attention est théoriquement comprise, technologiquement gérée et traitée dans les sphères psychologiques et psychiatriques, ont connu une grande expansion. L'attention, en tant qu'objet de registre scientifique, technique, politique, économique, disposé sur les microscopes, cible spécifique d'une attention disposée à connaître et à contrôler, semble manifester une ambiguïté critique. À la fois forme d'action examinatrice et objet de connaissance et de contrôle, l'attention telle qu'elle circule dans les sciences humaines, dans les disciplines scientifiques et dans les milieux sociaux, actualise la puissance significative du concept de scopos. Elle représente peut-être bien, c'est l'idée de Rogers, l'existence d'un espace d'action multiple dans lequel la société semble négocier une crise du moi, ou du self, de plus en plus dirigée, médiatisée et contrôlée par les technologies politiques. L'expérience des écrans, objet du présent colloque, est, comme je l'ai déjà indiqué, une partie essentielle de ce processus. Notre objectif dans cette présentation sera d'avancer, bien que de manière préliminaire, une discussion autour de la position des agents dans les conflits sociaux et économiques de capture d'attention, qui trouve une analogie dans l'antagonisme des régimes d'attention projectif et immersif, et qui dialogue avec les modèles de capture du monde et de l'autre comme cible. Peut-être pouvons-nous y discerner quelques éléments liés à normalisation sociale d'une politique de la vision basée sur la prescription des cibles. Il serait important d'identifier les composants de cette institution et ses manières de s'imposer comme dispositif social.
Alors, l'argumentation, je vais parler un peu de l'économie de l'attention et essayer de discerner les régimes attentionnels de projection et d'immersion, tout ça très vite. Toujours guidé par les concepts de scopos, notamment dans sa signification liée à l'établissement des cibles. Ces moments configurent une sorte de diagnostic qui sera suivi d'un mouvement plutôt analytique. Je vais m'appuyer alors principalement sur les travaux de Rachel et Bernard Geoghegan, qui est ici avec nous. Un plaisir de vous connaître. Nous examinerons à partir de ces travaux l'articulation épistémologique et culturelle entre vision, destruction et information. Alors, les travaux de Geoghegan m'ont été présentés par le professeur Noël Cadman. À la fin, nous discuterons brièvement l'intersection de la constitution de sujet en tant que cible, des stratégies armées et des processus commerciaux. Alors, économie et régime d'attention. Les points sociaux et culturels dans lesquels nous nous trouvons se distinguent, entre autres, par l'hypertrophie des modes attentionnels, notamment de l'alerte, hypertrophie produite par les réseaux numériques et qui caractérise ce qui a été appelé l'économie de l'attention. Le fondement d'une économie de l'attention repose sur des dispositifs qui érigent l'attention en objet intelligible et utile. Il faut considérer, comme l'explique Michel Foucault dans Naissance de la biopolitique, que dans la phase néolibérale du capitalisme, l'analyse économique se lance dans des domaines jusqu'alors inexplorés, de sorte que l'économie se conforme comme une science du comportement humain. Cela implique également que les modèles économiques de l'offre et de la demande, de l'investissement, du coût et du profit, se déploient comme un paradigme social et existentiel. Dans ce cadre, toute conduite impliquant des ressources rares et leur utilisation alternative peut devenir l'objet d'une analyse économique. L'attention parmi les économistes a été précisément liée au concept de rareté, étant donné la condition de profusion d'information dans laquelle nous vivons. Dans ce nouvel arrangement épistémologique et politique, l'attention est considérée comme une ressource mentale limitée et périssable. Il manquerait de l'attention pour donner un sens à tout ce à quoi nous sommes exposés. De plus, nos capacités attentionnelles ne seraient que faiblement extensibles, soit par des exercices cérébraux, ce que l'on appelle aujourd'hui neurobique, soit par l'ajout d'êtres sensibles sur la planète. D'où le développement des pratiques dirigées, ciblées et à l'échelle industrielle d'attraction de l'attention. On constate que les problèmes de l'attention dépassent alors la simple caractérisation de nos fonctions cognitives et comportementales et même la description de la structure vécue du champ phénoménal, comme on fait dans la phénoménologie. L'attention peut être considérée comme un effet politique, vraiment, forgé au milieu des résonances sociales et des dispositifs culturels, institutionnels et techniques. Dominique Bollier étudie dans cette perspective ce qu'il appelle les régimes d'attention, c'est-à-dire les modalités d'attention constituées dans les domaines des relations sociales à grande échelle et qui se sont généralisées dans les contextes de la prolifération de systèmes médiatiques fondés sur les mécanismes de l'image. Bollier distingue et analyse de manière schématique et référée aux sociétés capitalistes contemporaines quatre grands régimes d'attention: la fidélisation, l'alerte, la projection et l'immersion. Les régimes de fidélisation et d'alerte sont disposés comme des pôles opposés dans les modèles des régimes d'attention. La fidélisation fait référence à la production de conditions d'intérêt rigides et stratifiées, fondées sur la capture durable de l'attention. Des exemples de fidélisation sont la loyauté de la conviction religieuse et les dispositifs commerciaux dans lesquels les techniques de marketing créent des intérêts protégés au sein d'une même marque. L'alerte, quant à elle, concerne une condition constante de stress basée sur la production incessante d'attraction afin de créer des brèches dans l'immunité construite par la fidélisation de Bollier. Dans l'état d'alerte, de multiples signes avertisseurs et de capture de l'attention sont produits, comme dans les cas de publicités inattendues qui envahissent nos écrans d'ordinateurs, des courriels qui nous parviennent en masse, ou les explosions que l'on entend dans un film d'action.
Dans l'autre axe du schéma présenté pour Boulier et qui nous intéresse particulièrement, nous avons la projection et l'immersion. Dans ce domaine, il est question non seulement du type de capture de l'attention et de son caractère temporel, durable dans la fidélisation et instantanée dans l'alerte, mais surtout de la position des agents dans les conflits de captation de l'attention, ce qui nous ramène au concept des scopos. En effet, on parle beaucoup des stratégies pour capter et attirer l'attention, mais on parle peu de la position de ceux qui sont impliqués dans ces processus. Celui qui attire, qui vise le regard de l'autre, et celui qui se voit attirer, conquis, captivé. Dans cette dynamique peut résider quelque chose de très propre au telos contemporain, désormais profondément ancré dans les trames du concept des scopos. La définition générale de la projection et de l'immersion proposée par Boulier est présentée comme suit. Je cite. Dans la projection, l'acteur attentif, celui qui s'y concentre, conformément à la définition la plus courante de l'attention, doit s'emparer d'un sujet comme d'un champ de bataille pour en extraire ce qui l'intéresse. Dans les régimes de l'immersion, l'acteur accepte d'être sous emprise, d'être pris à l'intérieur du monde de l'autre, le créateur, qu'il soit artiste, scénariste de série ou game designer. L'opposition est totale sur ce plan. Dans la projection, fin de citation. Dans la projection donc, l'acteur attentif domine un sujet comme dans un champ de bataille. Le thème projection a une signification particulière dans les domaines militaires. Il est lié au verbe projeter dans le sens de lancer, jeter. Il s'agit également dans le militarisme de l'occupation, du contrôle et de l'exploitation d'une cible d'un territoire en vue d'une utilisation anticipée. C'est aussi la sélection et le contrôle exercés par un sujet qui projette sa vision sur un matériel perceptif. Le terme exprime également la relation du prédateur qui se concentre sur sa proie. Revenons, comme nous l'avons indiqué, à l'idée des scopos. Nous sommes au pôle le plus actif du concept, le sujet qui vise, qui identifie et localise sa cible. Dans les contextes, si bien que la cible doit fuir, elle est très active aussi. Mais, dans les contextes de la bataille, de la guerre, celui qui est visé devient susceptible d'être détruit par celui qui définit, identifie la cible. Scopos désigne aussi celui qui regarde, qui commande de loin, et généralement d'en haut, comme le maître qui se tient au-dessus du combat. Boulier dit que celui qui projette ne se laisse pas affecter. Il reste en surplomb dans une condition de survol. Cette organisation de l'attention vise à fournir les conditions de la sélection des signaux afin d'ignorer ce qui pourrait perturber l'observateur, les décideurs, les conquérants. La projection, tant au sens militaire que cognitif, peut être identifiée comme le mode de captation du monde dominant depuis la période moderne. Dans le régime attentionnel de l'immersion, la position est inverse, exactement symétrique en matière de pouvoir et de contrôle, précise Boulier. Mais le résultat est en réalité une asymétrie totale, puisque les environnements immersifs sont délibérément pensés. Ils sont conçus pour provoquer l'expérience immersive. Disons que l'attention du sujet de l'immersion peut être ou peut devenir la cible d'un sujet projectif, de l'architecte des stratégies d'immersion. Il peut se configurer quelque chose comme l'œil parfait dont parle Foucault, d'un surveiller et punir, et qui renvoie à la désarticulation de voir et de l'être-vie. Le sujet de l'immersion est pleinement exposé au point de vue du sujet projectif, dont la rationalité s'exprime sous la forme d'une agence propre au dispositif médiatique les plus variés, et qui leur confère les caractères des quasi-sujets dont parle Mauro Carboni. Il est bien vrai que le sujet de l'expérience immersive, il aussi perçoit tout le temps. Il est immergé dans une expérience qui explore toute sa puissance sensible, une expérience pleine de caractères perceptivos affectifs. Mais l'intentionnalité, au fondement du dispositif, et qui exploite le comportement du sujet de l'immersion, reste invisible pour se dénier, configurant un regard sans visage, l'idée de Foucault aussi.
On peut donc affirmer que les dispositifs dans cette dimension-là voient sans être vu, je crois. Il y a un débat ici avec Pierre, le professeur qui a fait une très belle présentation hier, mais je crois donc que nous pouvons affirmer ça, que les dispositifs voient sans être vus d'une certaine façon. Ce qui est symétrique dans la situation, c'est l'intensité de l'expérience d'immersion perceptive aussi forte que de la projection. Elle peut être assez durable, c'est pourquoi elle configure un cadre d'expérience importante dans les mondes contemporains. Contrairement au modèle projectif, cependant, dans l'expérience d'immersion perceptive, comme nous l'avons dit, le sujet renonce ou peut renoncer au contrôle de sa focalisation intentionnelle. Un bon exemple aujourd'hui est le jouet de vidéo, jeu vidéo. Le sujet se trouve entièrement affecté par le monde dans lequel il pénètre, mais l'attention dans ce cas n'est pas organisée autour d'un but ou d'une cible, elle est multifocale et intégrée, centrée, périphérique tout à la fois. Et rappelons à nouveau qu'ici l'attention du consommateur est la cible. Différents types d'immersion sont proposés, par exemple le cinéma, les jeux vidéo, le web et la télévision. Il y a des engagements partiels ou totaux, longs ou courts, individualisés ou collectifs selon les dispositifs par lesquels l'action perceptive s'effectue. Il existe aujourd'hui des appareils capables de créer un environnement fortement immersif qui fait appel à tous les sens. Boulier, lorsqu'il traite des réseaux sociaux, par exemple, affirme, je cite, « Les signaux de nos plateformes de réseaux sociaux prétendent finalement nous attirer dans un intérieur, elle aussi. Certains accros aux alertes et aux notifications peuvent finalement vivre des journées entières absorbées, immergées dans les réactions aux réactions. Les signaux des plateformes sont en tout cas pensés, ça c'est très important, pour nous faire venir sans cesse dans ce monde toujours éveillé, toujours émerveillé par des sensations. » Fin de citation. Maintenant, je passe à un bref exercice plutôt analytique, conjugué à ces mouvements introductifs de diagnostic. Les propos de parcourir quelques indications qui nous permettent de comprendre de quelle manière des éléments tels que l'action de cibler, l'attention projective et immersive, l'éthos de la colonisation, de la conquête et du conquérant ont pu s'entremêler, se généraliser, acquérant une grande importance dans nos cultures technologiques et médiatiques. Il convient de commencer ces mouvements en mentionnant les livres intitulés « The Age of the World Target » de l'autrice sino-américaine Ray Chow, Chow, C-H-O-W. Dans le chapitre qui donne son titre à l'ouvrage, Chow affirme que le largage par les États-Unis des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale a constitué un pivot dans les progrès de la science et a continué à avoir un impact sur tous les aspects de la vie humaine après la fin du conflit. L'autrice ajoute que ce que nous savons des explosions de bombes est indissociable de l'image bien connue du champignon atomique. Chow pense qu'il est nécessaire d'explorer la signification de la bombe atomique en tant qu'événement épistémique dans une culture globale dans laquelle tout est devenu ou est médiatisé par la représentation visuelle et la réalité virtuelle. Parmi les indices auxquels elle s'accroche dans cette tâche de compréhension de la signification de la bombe, Chow souligne le fait qu'elle résume une histoire des inventions militaires, et alors elle parle d'une science déjà militarisée à longtemps, dans laquelle le développement des technologies de représentation, en particulier des technologies de la vision, revêt une importance particulière. S'appuyant sur les livres de Paul Virilio, Guerre et cinéma, Chow évoque les affinités entre la guerre et la vision. En effet, depuis la Première Guerre mondiale, la première maintenant, avec le développement de l'aviation militaire, les champs de bataille ont été reconfigurés comme des champs de perception visuelle. La préparation de la guerre pouvait même ressembler à l'organisation d'un film, car les opérations futures dépendaient des filmmakers et des photographes qui regardaient une région comme on cherche des lieux de tournage. Les vues aériennes sont devenues essentielles dans la préparation des projets militaires. Désormais, les technologies de vision militaire produisent des images opératives, des images qui ne représentent pas simplement des objets, mais qui s'inscrivent dans des opérations projectives qui visent l'action. C'est ça, la projection. Qui visent l'action et qui marquent donc les choses comme des cibles.
parallèlement, cette idée c'est de Grégoire Chamaillou, parallèlement, dès la fin de la Première Guerre mondiale, s'amorce la fusion-confusion évoquée par Virilio entre la technologie militaire et le cinéma, puisque les documents chronophotographiques aériens sont diffusés au grand public comme un spectacle sans précédent dans une sorte de prolongement de la guerre. Plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale, nous avons pu constater la pleine normalisation de la guerre et des technologies de guerre, même chez les vaincus. Le Japon de l'après-guerre, empêché de faire des avancées militaires, s'est lancé dans une nouvelle compétition, la compétition pour bombarder le monde d'un autre type d'implosion, l'information, écrit Shaw. Selon l'autrice, la tendance de voir comme destruction et la normalisation de la technologie comme information sont liées à un déplacement épistémique qui se produit progressivement à partir de technologies rapides qui virtualisent le monde. La guerre a été absorbée dans les tissus de nos communications quotidiennes. Nous participons à la guerre en utilisant les écrans de télévision et d'ordinateurs, les téléphones portables et les autres technologies qui leur sont associées lorsque nous nous jetons dans les maillages des activités projectives et immersives. Le travail de Chow met en évidence un amalgame entre voir, détruire ou cibler et la virtualisation du monde. Certaines études détaillent ces processus et révèlent des couches fondamentales des impératifs stratégiques liés aux dispositifs perceptifs contemporains. Bernard Gogegan, par exemple, décrit et analyse l'émergence d'une écologie d'opération basée sur les screenings computationnels. L'auteur explique comment les graphiques numériques et la visualisation par ordinateur sont nés de la nécessité d'intégrer les réponses humaines en temps réel au système radar informatisé dans les activités militaires américaines au cours des premières décennies de la guerre froide. Les travaux scientifiques et techniques convergent dans ces contextes autour de la création et de l'amélioration du SAG, Semi-Automatic Ground Environment, un système de défense radar informatisé développé à la fin des années 1950. Un problème semblait central à la création du système, celui de la relation entre vision et informatique. Lors de la conception du SAG, l'une des premières interfaces permettant d'afficher des informations sur un écran de visualisation, un Visual Display Unit, a été développée. L'interface du SAG allait bien au-delà de la simple présentation des données visuelles. Les connexions entre le système numérique et l'appareil sensoriel de l'utilisateur ont été considérablement élargies au moyen d'une table multimédia interactive, pleine d'écrans, de boutons, de notifications sonores, autres les téléphones et même les cendriers. La psychologie de cette nouvelle interface, dit Gogegan, de cette interface numérique centrée sur les images électroniques, était fondée sur la vigilance de vastes horizons. Dans cette activité, l'attention requise était constante et précise. Les opérateurs devraient être capables de prendre des décisions rapides dans des contextes d'événements inattendus et de crises. Les études à l'origine de cette nouvelle discipline du corps ont été guidées par les soucis de savoir dans quelle mesure et avec quelle acuité un sujet pouvait comprendre et extraire les informations des dispositifs informatiques. Des facteurs tels que les stress, les ambiguïtés visuelles, la stimulation acoustique et l'attention sélective, parmi beaucoup d'autres, devaient être étudiés dans les contextes des corps humains exposés pendant des heures à ces nouveaux appareils de stimulation sensorimotrice. La connaissance de ces nouveaux contextes environnementaux est devenue un problème urgent pour les ingénieurs, les psychologues, les physiologistes, etc. Tant pour améliorer continuellement la conception des nouveaux ordinateurs que pour entraîner l'adaptation des sujets à leurs nouvelles tâches. Dans la trame des nouvelles pratiques sociales comme la surveillance des écrans de radar et la formation du savoir, l'attention, il convient de signaler, est progressivement devenue un facteur fonctionnel pour un complexe de relations sociales, de systèmes économiques, de tests expérimentaux et de théories qui ont fait d'elle une faculté humaine universelle définitive jusqu'à aujourd'hui. L'une des contributions centrales du travail de Gogegan réside dans la proposition fondée sur ses efforts archéologiques selon laquelle une esthétique martiale
que anime les économies d'attention de la culture numérique du XXIe siècle commençait à se conformer dans cette époque. C'est l'organisation diluée d'un nouveau type de disposition psychique et stratégique, d'un nouvel appareil psychique ou d'un nouveau paradigme socio-technique dans lequel se transmet une temporalité de surveillance et de crise constantes. La figure représentative de ce paradigme est l'écran numérique lui-même, de caractère procédural, interactif, modulaire et temporocritique. La diffusion sociale de cette esthétique, un thème qui m'intéresse beaucoup, s'inscrit dans le contexte de ce que Karen Kaplan appelle les réseaux militaires industriels médiatiques de la technoscience. La compagnie responsable du développement du logiciel SAGE, la Systems Development Corporation, par exemple, a réussi à étendre rapidement son modèle à d'autres clients. Dans le domaine des médias de divertissement, les premiers jeux vidéo n'étaient rien d'autre que des exercices numériques d'interceptation aérienne modifiés à des fins récréatives, dit Geoghegan. Il convient de revenir à Ray Chaw, qui rappelle qu'en 1991, lors de la guerre du Golfe, on ne pouvait plus faire la guerre sans les compétences des jeux vidéo. Les manœuvres de combat aérien des forces américaines étaient déjà médiatisées par des écrans vidéo et exécutées par des soldats habitués lorsqu'ils étaient adolescents à pratiquer des jeux vidéo à la maison. En bref, j'arrive dans mes conclusions. D'une part, l'attention est constituée comme un objet de discours scientifique, comme un objet de connaissances et de gestion technique. D'autre part, une nouvelle façon de regarder est mise en pratique, médiatisée par des images électroniques à longue portée qui établissent ces objets comme des cibles, La suite de notre exercice pourrait se concentrer, je ne vais pas développer ça, mais juste donner un exemple, pourrait se concentrer sur l'étude d'une autre étape de ce processus, l'interrelation qui s'établit depuis les années 1960 entre l'amélioration médiatisée par les technologies satellitaires, la pratique de ciblage avec des armes et les pratiques de cibler dans les campagnes de marketing. Dans ce cas, il s'agit de comprendre les intersections entre la constitution des sujets en tant que cible des armes et des processus commerciaux. Karen Kaplan, par exemple, montre comment les technologies de localisation géographique telles que les Geographic Information Systems, GIS, et les Global Positioning Systems, GPS, deux technologies développées dans les domaines militaires, en sont venues à sous-tendre les discours et les pratiques de précision dans les domaines du marketing. Les résultats, selon elle, est la constitution de sujets adaptés à une culture visuelle militarisée. Le vocabulaire de ciblage s'est imposé dans le marketing dans les années 1990 grâce à la télévision par câble et surtout à l'Internet. À partir de ces dispositifs, il est devenu tout à fait possible de cibler des niches sans perdre de vue le grand public. L'idée est simple. S'il n'est pas possible de forcer les gens à voir ou entendre quelque chose, il est en revanche possible de savoir qui est le plus susceptible de percevoir votre message. Mais le concept est ancien, en fait, et faisait partie des principales stratégies des premières agences de publicité nord-américaines qui, dès les années 1920, prenaient une publicité scientifique. Parallèlement au principe d'ingénierie de la demande et de la fidélisation aux marques, les publicités dirigées alimentaient déjà ces laboratoires privés de la captation de l'attention. Les femmes, les groupes ethniques et les enfants étaient les principaux objets de marketing ciblé depuis le début. Karen Kaplan et Tim Wu soulignent le rôle de Jonathan Robin, sociologue à l'Université de New York, dans le développement du marketing ciblé, s'appuyant sur son expertise dans l'étude des communautés en tant qu'écosystème. Robin a fondé la General Analytics Corporation, mieux connu sous le nom de Claritas. Mieux connu sous le nom de Claritas dans les années 1960. La compagnie explorait le potentiel commercial d'une nouvelle science, la géodémographie,
qu'à l'aide des technologies informatiques rendues possibles par les Geographic Information Systems, GIS, cartographiaient des sous-groupes de la population américaine par code postal et par quartier. Claritas s'est alors spécialisée dans la réalisation de projets publicitaires basés sur l'identification géodémographique de différentes agglomérations sociales interactives qui, en fonction non pas des marques classiques telles que les sexes et l'âge, mais de leurs caractéristiques communes des pratiques de consommation, de divertissement et d'éducation, par exemple, pourraient être ciblées par des campagnes spécifiques. Dans tous les cas, ce qui semble guider les complexes militaires, industriels et médiatiques est la génération d'une rationalité qui soutient les discours et les pratiques de précision. Le développement de l'Internet et des calculs informatisés, les fameux algorithmes, apporté la pratique du marketing ciblé ainsi que la surveillance militaire à des extrêmes de normalisation et de contrôle à partir de modèles de classification et même des prédictions. Alors, juste pour conclure, résumer, les concepts de Scopus alors m'ont servi de base pour thématiser l'association contemporaine entre vision, connaissance et ciblage, ou pour essayer en fait de faire cette thématisation, de commencer ces mouvements. C'est un travail que je commence en fait à faire ce chemin-là. L'analyse du complexe de l'attention, plus précisément des régimes de projection et d'immersion et des œuvres centrées sur l'examen de la convergence entre vision, précision, surveillance et destruction, a permis, problématiser un dispositif scopique, une dialectique entre cibler et être une cible. Il s'agit, c'est l'hypothèse, d'une politique du sensible, quelque chose comme ça, basée sur la prescription des cibles et qui, au cours des 100 dernières années, a pu être consolidée comme une norme sociale, peut-être une institution. Merci pour votre attention. Merci Danilo d'avoir enrichi nos échanges avec cette topologie de l'attention à un régime de visibilité des écrans numériques. Je donne la parole à la salle pour des questions. So obviously, I'm very grateful for the acknowledgement. I think because I have an interest in this topic, I have what's probably an impossible question, right? Yeah. So my apologies in advance for the fact that it's impossible. So you open with this discussion of telos, and you know when Norbert Wiener has his notion of telos and teleology and cybernetics as telos, you know he seems to discuss it as if it's a kind of universal property. Yes. You can find purposefulness in systems, in organisms, in individuals, in machines. Yeah. You know, something about me is kind of skeptical about this universalism of telos. It's something I struggle with, and so you know, this kind of simple but impossible question, you know, this purposefulness, this telos, this targeting, where does it come from? Is there a general property of telos, a general property of targeting, or is it? For example, is the attention economy, is it set by the system, the economic system, or is it individual and political purposes, or is it more like, you know, Aristotle seems to suggest plants have a telos? Is it possible to specify different regimes of telos or where it comes from? Yes. Thank you, Bernard Yogega. Je vais répondre en français, ça va? Okay. Merci. Je répète encore que ton travail, comme vous avez vu, c'est très important pour moi dans cette réflexion. Bon, mais quand je parle de telos ici, c'est un peu le chemin développé par Samuel Weber que j'ai cité. En fait, l'idée, c'est un peu de refaire
cette dynamique d'importance entre Telos et Scopos. Hein. Je ne vais pas dire que bon, j'ai peut-être dit ça dans mon texte, mais je ne vais pas dire quand même que le devenir Scopos, c'est notre Telos, c'est notre destin. Mais juste montrer que c'est quelque chose de très important dans notre vie sociale depuis longtemps, mais qui a connu un développement assez fort, assez puissant et assez dominant, prédominant à partir de la modernité, hein, ça c'est sûr, et à partir du développement de ce que la phénoménologie, par exemple, caractérise très bien, que c'est l'objectivisme, hein, la mathématisation du monde, l'abstraction, c'est peut-être la façon, la grille de vision plus importante que nous avons créée pour donner une forme à ce destin scopique de notre civilisation. Hein. C'est pas un telos, c'est pas un destin. Hein. C'est ça qu'on débat, qu'on discute ici. Hein. Hier, on a entendu beaucoup de manifestations de résistance et de changement, hein, de cette dynamique. Je ne sais pas si ça change cet arrangement scopique. Nous resterons toujours dans ces arrangements scopiques, mais il y a quand même des façons de réagir et de changer tout ça. Mais l'idée, c'était pas mettre force dans l'idée de Telos, mais surtout dans ces nouveaux pratiques très concrètes. Vous voyez, Gheorghegan, cette façon très concrète que nous avons choisie comme société d'agir, de produire, de partager nos savoirs, à partir de ce que j'appelle ici un régime scopique. Ouais. C'est ça. Je n'ai pas répondu, je sais, mais c'est juste une réaction. Merci. Mauro. Oui, merci Danilo. Vous avez fait un important recadrage de la question de l'attention. Je vous en remercie. J'étais en train de, en vous écoutant et en écoutant la question que Bernard vient de vous poser, je me demandais, mais ce qu'en français on appelle l'oculométrie, oui, c'est-à-dire l'eye tracking, à votre avis, c'est une technologie et une pratique économique, ce qu'on appelle aujourd'hui le neuromarketing. C'est une pratique qui comporte un changement de notre actuel régime d'attention. Et dans ce cas-ci, dans quel sens, à votre avis, ça change le régime ? Où il ne s'agit que d'une manière de mieux contrôler et surveiller le régime d'attention actuel. Oui, professeur, voilà. Merci. Dans le cadre de ma exposition et de cette proposition de penser un peu les questions de l'attention à partir de l'idée ou de ces principes de ciblage que je répète, je vois ça comme une force, une force sociale, une chose importante qui est parmi nous. Dans le cadre de cette discussion spécifique,
La technologie du eye tracking, c'est très intéressant. C'est un exercice. Je vais utiliser ma proposition ici, juste pour débattre. Mais c'est cibler les regards. C'est un exercice très clair de mapping. Je manque là, les mots en français maintenant. Mais de mapping, de mouvement, cartographier, ouais. L'idée de cartographie, c'est très important ici aussi, dans tout ça qui a des rapports avec l'idée de ciblage. Et alors, c'est cartographier les regards. Le regard est sur la cible. Hein. Et c'est très intéressant parce que c'est l'idée des scopos en train de se développer. Les scopos, comme j'ai dit, c'est un mot qui désigne ce qui voit et ce qui est vu en même temps. Et dans ce sens-là, je vois, je cartographie exactement les regards. Et c'est ce genre d'activité, je pense, c'est quelque chose de très paradigmatique. Hein, je crois que ça renforce pas de changement, hein, dans mon avis, hein, très Angèle, mais nous sommes au centre de cette disposition, de cette dynamique que j'ai essayé de très brièvement de donner quelques contours. Nous sommes au centre. C'est ça l'idée de développer au maximum cette dynamique du scopos. Hein. Faire le eye tracking, cartographier les regards. Hein. Voilà. Et c'est une référence très importante, hein, l'idée du eye tracking. Yes. Oui. Il y a aussi une question de Stanislas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut continuer pendant la pause café. Qui vient, et donc voilà, qui va durer 15 minutes. Donc, on se retrouve à 11h40. 35. Merci Daniel, c'était très, très intéressant. J'avais moi aussi plein de questions aussi, voilà. Parce que tu parlais de...
to briefly introduce you. Okay, and then. Great. And you have 30 minutes and 15 minutes for question normally, but I'm going to give you a reminder okay. in, yeah, yeah. just in case. How do I move it? No? It doesn't work? No. Oh, maybe that's right. Oh, yeah, okay. No, you're right. It's not working. Sorry.
Thank you. I'm going to ask you to have a seat so that we can resume our panel. We are going to switch to English for these two talks. Everything okay? And so I'm going to introduce Mark Hansen, who is professor of literature and visual studies at Duke University. With his extensive transdisciplinary work combining literary studies, film and media studies, philosophy, and cognitive neuroscience, he made an outstanding contribution to philosophy of media and technology, in particular as regards the role of technology in human agency in computational world, and the role of artistic creation in reconfiguring our relationship to technology. Among his books, Embodying Technesis, Technology Beyond Writing, New Philosophy for New Media, Bodies in Code, Interfaces with Digital Media, and Feed Forward on the Future of 21st Century Media. And the title of his talk is From Cognitive Assembly to Possibility Intensification. Thank you. Mark. Yeah, thank you. So I'm very happy to be here. Yeah, I want to say a little bit about what I'm going to talk about, because I'm going to talk a lot about Whitehead, and this is not something that comes naturally to most people. So I'm really interested in understanding how humans and technologies co-function, and I'm interested especially in trying to conceptualize how humans become part of larger technical operations or participate in larger technical operations, and in doing so gain a kind of expanded sensibility about the world, right? So my hunch, the thought behind the work is that technologies bring us beyond, to expand our contact with the world, and I say this all in agential terms, which I would like to avoid, actually, expand our contact with the world in ways that make us not in control or not in charge or not the perspective from which the processes that humans participate with technologies operate. So, like many people, and Kate Hales is the one I'm going to talk about in particular today, I'm really inspired by the way that technology can take us to a position that is extra anthropocentric or non-anthropocentric. And yet, when I look at the way that other people have thought about this, I'm troubled by the fact, and I would say this about my own recent book on Whitehead, Feed Forward. I'm troubled by the fact that humans are always brought back in as the beings that are able to cognize, right, in her terms, the situation. So what I'm trying to do is kind of toe the line between an argument that claims that human technology ensembles or human technology assemblages or whatever we want to call them, societies, I would call them in Whitehead's terms, are agents or are units or are machines for sensing the world in ways that don't entirely get captured by the conscious cognitive results that humans are able to produce, and yet, so I want to think about that dimension, but I also want to do justice to the fact that humans are those parts of these technical ensembles that are able to value the world, to value the results of the technical operations. So the question is really how to describe it's not a privilege, but the special role that humans play without making it all about humans, right? So this is what I'm trying to do. Okay. Okay, it's working? Yeah, okay.
Yes, so I want to just start. Kate Hales has written a book called Unthought, where she theorizes the notion of cognitive assemblages, and for her, the important thing is that cognition is larger than human cognition and human consciousness, right? So she writes, although technical cognition is often compared with the operations of consciousness, the processes performed by human non-conscious cognition form a much closer analog. Like human non-conscious cognition, technical cognition processes information faster than consciousness, discerns patterns and draws inferences, and for state-aware systems, processes inputs from subsystems that give information on the system's condition and functioning. Moreover, technical cognitions are designed specifically to keep human consciousness from being overwhelmed by massive informational streams so large, complex, and multifaceted that they could never be processed by human brains. Okay, so Hales's contention is that technologies and cognitive technologies in particular don't take the place of human consciousness. They rather scaffold or take the place of the non-conscious processes that lie beneath and are the support for the production of consciousness. Okay. So in the process of distinguishing her concept of cognitive assemblage from Deleuze and Guattari's notion of assemblage, which is one of its key sources, Hales states, whereas Deleuze and Guattari write against the subject, the sign, and the organism, and hence refuse the presumed boundaries of the same, my cognitive assemblages are entirely consistent with the idea of pre-existing entities, such as humans and computers. Rather, the emphasis falls on the ways in which these entities symbiotically interpenetrate each other's actions so that cognition and agency are understood as always already distributed throughout the assemblage. Such an approach, I would suggest, is itself always already caught up in what Whitehead calls the bifurcation of nature. And the entanglement that it celebrates, far from operating always already, as Hales suggests, rather comes on the scene post facto. No matter how complex their symbiotic interpenetration, humans and computers cannot but retain their pre-existing separateness, and whatever degree of entanglement they can achieve is one that takes place only after they have already been individuated as the substances they each are. Hales's conviction that pre-existing substantial entities can be entangled in ways capable of overcoming the bifurcation between the human and the non-human commits what Whitehead calls the fallacy of misplaced concreteness, namely mistaking an abstraction, in this case a version of the abstraction that is the modern scientific bifurcation of nature, for the really real things, or what he calls actual entities, that are the sole reasons, according to Whitehead's ontological principle. This principle states simply, no actual entities, no reasons. The point here is that once the bifurcation is made, it cannot be overcome by any subsequent move to complicate or dissolve the dualism that it produces. With respect to Hales's cognitive assemblages, the extent of this problem is perfectly illustrated by Tobias Matzner's argument that cognitive assemblages, or what he rechristens algorithmic ensembles, effectively shore up rather than deconstruct the classical liberal subject. Matzner understands Hales' figure of the autonomous liberal subject to be the curious construction of two distinct yet correlated factors. On one hand, the non-autonomy or lack on the part of actual humans, whose objectivity and rationality are undercut by realities of bias, limited attention, lack of access to the embodied and affective basis of cognition, and so forth. And on the other, the capacity of algorithms to make up for human lack in relation to whatever specific task or operation is at issue. Matzner's conclusion is that, and I quote, while both the human and the algorithm appear in positions of tension with the universalizing presumptions of the liberal autonomous subject, the human technology ensemble strengthens rather than weakens this subject position. Matzner draws this conclusion on the basis of two examples, closed-circuit television surveillance systems and parametric architectural practices. And I'm going to focus on his argument about surveillance systems.
Smart CCTV systems involve the distribution of the cognitive perceptual task of scrutinizing surveillance video to computers, and thus illustrate a paradigmatic case in which technology is deployed to make up for a lack on the part of humans due to pre-existing inbuilt cognitive perceptual limitations. By redistributing the task of detecting anomalous behaviors and events to pattern recognition algorithms far more capable than humans in this respect, these systems supplement the lack on the part of humans, whose role becomes delimited, but in a way also attenuated. Indeed, as Matzner emphasizes, the redistribution does nothing to modify the privilege humans hold as agents of decision. As human operators are relieved of the task of pattern recognition, they can focus on tasks for which they are more suited, on account of their essence as distinct substances, namely double-checking data flagged by the algorithms, taking context into account, and initiating any necessary action. The result is a shoring up of the liberal human subject, which is a term that Hales herself introduces, that results precisely from the specific distribution of cognition at work here. Computers finding anomalous patterns in large data sets, humans reviewing and deciding on these specified sets. Matzner perfectly summarizes this conclusion when he writes, "The use of movement trajectories is premised on the idea that this single feature suffices as an indicator for the events that an ideal unprejudiced operator would pick out as well. This ideal subject position is enabled by the ensemble of humans and algorithms and cannot be reduced to either side. The algorithm allows us to care for the relevant local details in an objective fashion, making up for human weaknesses like missing important aspects or imposing overgeneralizing prejudices. But still, the human is meant to judge." It is notable that this result perfectly aligns with Hales's emphasis on the cognitive advantages of human technology ensembles, despite, or rather precisely because of, the profound cognitive differences between humans and computers. Algorithms can make up for human lack, and thus serve as one half of an ideal autonomous liberal subject, precisely because they are enacted as the complete opposite of the human in every regard other than the particular task that is offloaded onto them. Indeed, even with respect to this task, algorithms cognize in fundamentally different ways than humans, even if their contribution to the larger cognitive system is functionally equivalent, and it's a term that Hales introduces, the functional equivalence between non-conscious human processes and non-conscious technical operations. So even if their contribution to the larger cognitive system is functionally equivalent to work that would otherwise be performed by cognitively inferior humans. On this score, Matzner's minimal example serves to underscore the prosthetic imperative informing Hales's paradigm of cognitive distribution. So long as humans, understood as pre-existing separate substances, remain the agents of decision, their entanglement with algorithms, no matter how complex and symbiotic, cannot displace the privilege that they have been accorded, as it were, always already. Right? So the problem is models like Hales's start from humans and technologies as separate entities. And in my reading, there's no way to overcome the way that makes them beings with capacities or faculties that are built into them, right? Something like that. The problem that Matzner's analysis underscores is the very one I've been seeking to explicate. Once a bifurcation is made, no amount of post facto entangling, of boundary crossing or blurring can reverse its debilitating operation. Beyond the latent anthropocentrism we have just examined, this problem infects the very framework of Hales's conceptualization of cognitive assemblages on the basis of a distinction between what she calls cognizers and non-cognizers. This distinction is meant to displace the human-non-human binary, since it cuts across any purported boundary that could separate them. Cognizers include humans and other biological life forms, as well as technical systems. Non-cognizers, by contrast, designate inanimate objects and material processes. For Hales, the crucial distinction that separates the two is the capacity to interpret and choose. She writes, "The crucial features distinguishing cognizers from non-cognizers are interpretation and choice. The two are entwined because without choice,
there can be no interpretation, which requires at least two available options. Without question, material forces have agency, from the water that wears away a rock's surface to the landslide that rips off a mountainside. What material forces cannot do, however, is interpret and choose. Their actions, rather, are the resultant of all the forces acting together, acting upon them, and can be understood in these terms. All life forms, by contrast, possess the signal characteristics associated with cognition, namely flexibility, adaptability, and evolvability. Their actions can never be entirely constrained within a rigid stimulus-response model that denies them the capacity for creative interpretation and choice. What is at stake here, it is clear to see, is a turn away from the human-non-human binary to one that can cut across the human and the non-human, and specifically to a binary capable of doing justice to the cognitive capacities of non-human entities, including other living beings and technological systems. It is equally clear, however, that this move involves swapping one binary for another, with the result that material processes are rendered trivial, relegated to the role of inert support for the higher order cognitive operations of living beings, computational technologies, and cognitive assemblages. In Whitehead's terms, Hales as binary, cognizers, non-cognizers, is a bad abstraction. A bad abstraction is an abstraction that illegitimately generalizes its operation and thus becomes a disqualifying machine, to use a phrase introduced by Didier Debase. Hales's abstraction disqualifies matter. More precisely, it operates within the space of such a disqualification of a bad abstraction. As such, it both falls within and tacitly affirms the bifurcation of nature, whose origin, according to Whitehead, is the modern division between two characteristics of bodies, the division into, on one side, primary qualities or brute matter, and on the other, secondary qualities or subjectivity's psychic addition to matter. For Whitehead, this division is the hallmark of scientific materialism. There persists, he writes, in Science in the Modern World, throughout the whole period, and he means the modern period, 17th century and onward, the fixed scientific cosmology which presupposes the ultimate fact of an irreducible brute matter or material spread throughout space in a flux of configurations. In itself, such a material is senseless, valueless, purposeless. It just does what it does do, following a fixed routine imposed by external relations which do not spring from the nature of its being. It is this assumption that I call scientific materialism. Whitehead reconceptualizes secondary qualities as existing on an equal basis with beings themselves, such that primary and secondary qualities, no longer separated from one another, together become the internal aspects of all existence. The result of Whitehead's reconceptualization is his theory of feelings, or in the technical term he introduces, of prehensions. The fundamental thought at the heart of Whitehead's reconceptualization is twofold. On one hand, feelings are primary in relation to higher grade modes of experiences, such as consciousness thinking and what Hales calls cognition, which should be reconceptualized as particular species of feelings. On the other hand, feelings operate at every level of process, from the physical to the human, and cannot be restricted to any particular type of entity. But what exactly is a feeling? In its most fundamental determination, a feeling is an integration of the objective past into the subjective present. Whitehead traces his conception of feeling to an unlikely source, namely Descartes. What Whitehead takes from Descartes' discussion of feeling in the Second Meditation is the equation of feeling with the subject. Thus, Whitehead writes, in Cartesian language, the essence of an actual entity, what Descartes calls a subject, consists solely in the fact that it is a prehending, that is, a feeling thing. In Descartes, the act of feeling is both apodictically certain and inclusive of a broad range of sensory experiences. On both counts, Descartes' conception of feeling can be seen as an anticipation of Whitehead's actual entity. As certain and incontestable in itself, it, like Whitehead's actual entity, needs no justification other than its own activity. And as broad in its sensory range,
Feeling encompasses a continuum of experience that, notwithstanding Descartes' identification of feeling with thinking, encompasses much more than just conscious thought. In Whitehead's hands, Descartes' conception of feeling provides a general and continuous mode of experience that can be fruitfully contrasted with the occasional, quite unusual, and particular operations of thought, now understood or re-understood to be one particular species of feeling rather than its equivalent or synonym. As a constant activity that involves all aspects of a subject, feeling cannot be restricted to human subjects, but must be said of all forms of life and, indeed, of inanimate physical processes and entities as well. It is precisely for this reason that feeling informs a metaphysics of subjectivity capable of restoring the unity of nature sundered in the bifurcation imposed by scientific materialism. Yet what exactly is the act of feeling that is involved in experiences as diverse as those of Descartes' thinker on one side and animals, plants, and microorganisms, not to mention inanimate physical objects, on the other? I have already said that feeling is the integration of the past into the present, and that all actual things are forms of feeling past things, right? And Whitehead, in contrast to Kant, wants to argue that subjectivity emerges from objectivity, from the feeling of past objects in a new act of concrescence. We can be still more precise in saying that what is common to feeling in all these types of experience is what Whitehead calls a sense of conformation. All actual entities conform to the physical data that they inherit from the settled world from which they arise, but they do not conform to that data in the same way, and the plurality of modes of conforming produces the plurality of modes of existence in the universe. Consider Whitehead's means for distinguishing the physical from the vital. Rather than simply assuming some point at which the inanimate is somehow transformed into the living, or some hypothetical division between beings that demonstrate either physical or vital characteristics, Whitehead conceptualizes the division between the physical and the vital in a thoroughly pragmatic register, in terms of different ways of relating to similar environmental changes. Material or physical bodies respond to changes in their environment with indifference. As the lowest grade of structured societies, they persist and only persist so long as they can ignore environmental changes around them. They are thus said to be characterized by the category of reproduction. They simply reproduce the actualities comprising them from moment to moment, and thus passively conform to the past. On the flip side, living societies acquire their stability from their partial and vital interest in their environments. Their stability is a measure of their activity in relation to a specific environment and their capacity to modify or transform the social order in response to challenges from that environment. Living societies instantiate the category of conceptual reversion. In conforming to the past physical data they inherit from moment to moment, living societies do not just reproduce that data passively, but actively transform it. If this distinction in mode of feeling renders living societies and the actualities that comprise them capable of experiencing novelty and creating novelty, this fact cannot be explained in virtue of their possession of some special mental or conceptual faculty of which physical societies and actualities would simply be deprived. For Whitehead, by contrast, all levels of process, all forms of actual entity, have both physical and mental conceptual dimensions. But different grades of actualities experience them in different degrees. In the case of physical entities, the mental conceptual dimension of feeling tends to be negligible, whereas it is significant to varying degrees in living entities. Here we see the fruits of Whitehead's effort to redistribute and unite what the modern conception of nature bifurcated. In living beings, and perhaps in some natural and technical material processes, secondary qualities join together with primary qualities as internal aspects of experience. The key point here is that secondary qualities, disqualified by scientific materialism as mere psychic additions, now designate properties of the really real things that are actual entities and are components in the concrete acts through which they feel and conform to the past. In this picture, primary qualities correlate with the physical data to be inherited by subsequent actual entities.
And Whitehead is quite explicit in stating that every new actual entity that adds itself to the world itself becomes, or as Whitehead says in his technical terminology, itself concresses by feeling the entirety of the antecedent world it inherits. But if primary qualities correlate with this physical inheritance of the universe in its entirety, with what do secondary qualities correlate? Whitehead's answer, in a word, is the potentiality of the past. This potentiality, as we shall see, is the source for conceptual reversion, the operation by which entities of a certain grade are able to transform the universe they inherit. Accordingly, in addition to stipulating that every new actuality feels the entirety of the antecedent physical universe, Whitehead insists that it feels all of the potentiality that informs past actuality. And I quote, "A feeling bears on itself the scars of its birth. It recollects as a subjective emotion its struggle for existence. It retains the impress of what it might have been, but is not. It is for this reason that what an actual entity has avoided as a datum for feeling may yet be an important part of its equipment. The actual cannot be reduced to a mere matter of fact in divorce from the potential." But what is this potential that both adheres to, yet has been excluded from, actuality? Anyone familiar with Whitehead will recognize in this question the theme of eternal objects, which determine the how of feeling in every concrete instance, but which nevertheless remain fundamentally independent from actual entities or subjects of feeling, and thus constitute a wholly distinct type of entity. Whitehead characterizes eternal objects as eternal because in themselves they are pure potentials for becoming. Such sensa as color and qualities of emotion, but also qualities of form and intensity, patterns and mathematical relations, have no existence in themselves and are not exhausted by their instantiation and process. At the same time, however, Whitehead makes it clear that eternal objects cannot be accessed or encountered in themselves in their pure form, and that they participate in becoming only insofar as they enter, or in his technical terminology, only insofar as they ingress into concrete feelings of the past physical world. Didier Debase introduces the helpful term manner to describe the determination of the how of becoming by eternal objects. Eternal objects, Debase suggests, determine, quote, the manner in which a subject prehends the anterior world, how it captures it, integrates it, and constitutes itself via this prehension. It is important to appreciate that the manner or the how of becoming in all but the most simple physical processes does not derive from the past and is therefore a condition of novelty beyond any inheritance. Manners, notes Debase, and I quote, are not derived from anything, but they never cease to vary according to the local conditions of existence. Far from being projections of the subject onto nature, manners are what determine the subject as a singular and concrete in every instance. Andrew Lapworth perfectly grasps the resulting situation so far as subjectivity is concerned. Subjectivity, he writes, no longer corresponds to a specific human substance or experience, but rather names the process of becoming from potentialized past to indeterminate future that constitutes the singular difference of any entity or event. From this, it becomes altogether clear why the subject cannot account for the origin of manners, since it is itself the result of a process of subjectification tied to local conditions. Manners, the how of becoming, are always constrained by the past, meaning the prior ingression of eternal objects into feelings of physical data. Ingressed eternal objects become part of what is inherited from moment to moment. They constitute what Whitehead calls real potential, meaning the concrete potential adherent to the settled world at a given moment of its becoming. Whitehead coins the term ingression to express precisely this constraint on potentiality. The term ingression, he clarifies, and I quote, refers to the particular mode in which the potentiality of an eternal object is realized in a particular actual entity, contributing to the definiteness of that actual entity. Insofar as it is inherited with the actualities it determines,
This potentiality is felt together with the physical data it qualifies in the concrescence of any new actual entity. If potentiality is the correlate of givenness, as Whitehead writes, that is because givenness refers not to a fully determined situation, but rather to a concrete margin of potentiality. And I quote, "The meaning of givenness is that what is given might not have been given, and that what is not given might have been given." This concrete margin of potentiality adherent to a particular situation is what constrains the possibility of the future at any given moment of cosmological process. And since potentiality results from the determination of past actual entities by concretely ingressed eternal objects, it is the world and its actualities, that is the entirety of the settled world at any given moment, that provides the source of potentiality. To conclude this discussion of the mechanics of Whitehead's aesthetic ontology, let us rehearse its most crucial commitments. First, feeling, not thinking, is primary, and feeling characterizes all grades of process, from the simplest and most mechanical physical reproduction to the most complex, free, and creative human expressions. Second, subjectivity, far from being a faculty or capacity reserved for certain entities, in fact, characterizes all forms of process, all feelings. The degree of subjectivity characteristic of a given entity is a function of the degree of potentiality available to that entity in its concrescence, which is to say that it is a function of the potentiality adherent to the settled world it inherits. Finally, third, process occurs because of the real togetherness of the physical and the mental conceptual. Real togetherness follows from the primacy of feeling, for if feeling is the present activity of integrating the past, and if integrating the past involves integrating the concrete potentiality of the past, all that could have been, along with the actuality of the past it qualifies, then feeling is necessarily and in every instance both physical and conceptual. These three commitments provide the resources for an alternative conception of human-machine hybrids as what I am calling in a rather inelegant expression, societies for possibility intensification. In contrast to Hales's cognitive assemblages, which presuppose separate pre-existing entities, such a conception begins from entanglement, and indeed from the entanglement that Whitehead theorizes as the real process, real togetherness of process. Whitehead introduces the concept of society as a designation for enduring entities. Actual entities do not endure in time. They simply become, and once objectified, they are added to the settled world. In order to account for enduring entities, Whitehead thus conceptualizes societies as compositions of actual entities and of subsocieties of actual entities, which also means as compositions of the concrete real potential of the eternal objects that determine these component actualities. Societies can be defined as the endurance of a social order. They are quite literally composed of separate actualities and subsocieties of actualities, synchronizing in relation to a common pattern of organization. We have already mentioned the examples of physical entities like rocks, which simply remain indifferent to their environments, and living entities, which are able to draw on the potentiality of their constituents in order to modify themselves. What these instances point to is the importance of a common engagement with the environment on the part of the constituents. In this respect, societies involve the collective individuation, or what we might call trans-individuation, using Simondon's term, of the individual actualities and subsocieties of actualities in relation to a common pre-individual source. For my purposes here, the important point to highlight is that societies are not symbioses of pre-existing independent entities, as Hales's model would have it. Rather, it is a mechanism for generating potentiality. As the basis for experimental science, and in today's massively technified world, for much of social life as well, technology operates within complex societies that entangle on the basis of a common pattern of feeling, processes that are both material and living, and that crucially include human processes, but without granting them any categorical privileges and without being oriented to them in a special way. In contrast to notions like Hales's cognitive assemblages, such societies, which combine material, vital, and technical entities, are able to engage the promise of technology for expanding sensitivity to the environment, to the value and importance of all things, in ways that do not position the human element as the arbiter of value and privileged knower.
The quantum slit experiment is a case in point, for it involves the construction of a measuring instrument that literally connects the empirical domain, the domain that can be known by human knowers, with what Arkady, whoops, I'm at 30 minutes, yeah, Arkady Plotnitsky calls the quantum entity, a domain of process that is fundamentally foreclosed to human knowledge and empirical existence. In a quite literal way, all of the theorizations concerning quantum mechanics, from Bohr's classical position to realist positions like Bohm's and Everett's, engage in speculations concerning the meaning of experimental results from such measuring instruments. For my purposes, the key point is that whatever speculative knowledge is thereby attained is an accomplishment not of the human scientist reflecting with cognitive autonomy on the cognitive operations of the experiment, but on the contrary is an accomplishment of the system as a whole, which is a techno-vital material society. If this example attests to the promise of technology to introduce perspectives of the universe that are alien to human ones, it is precisely because the knowledge or conceptual dimension of this techno-vital material society belongs to it as a whole, to its trans-individual feeling of the universe, and is in no way generated by or dependent on any awareness that beings capable of such awareness might come to have of it. Were Whitehead to have theorized technology, he might well have understood it, as have Simondon and after him Bernard Stiegler, as a third category of process, the organized inorganic, intermediate between the material physical and the living conceptual. Yet in marked contrast to Stiegler, as well as to Hales, Whitehead would not conceptualize the organized inorganic as organological or prosthetic, since it does not function as a support for human knowledge and experience, but rather as a mechanism for multiplying and intensifying possibilities of process itself. In this sense, technology as the organized inorganic would be organic in the sense of Whitehead's philosophy of organism. It is itself the accomplishment of feeling, indeed of a multiplicity of feeling, and in the larger trans-individual societies in which it participates, it is contributor to yet more encompassing compositional feelings. Such societies, which I'm calling societies for possibility intensification, operate as lures for feeling, which is to say as generators of propositions, in the special sense Whitehead gives this term in Process and Reality. And he understands propositions as feelings, right, as aesthetic experiences prior to their being what logicians conceive them to be, namely as judgments. Okay, I'm going to stop, but where the paper goes is to conceive of human technical systems as generators of propositions, right? As generators of propositions about the potentiality for the future that draw on the expanded ability to feel that technologies bring to these systems. So I'll stop there. Thanks. Thank you so much for this extremely rich and dense presentation that brings into focus the dimension of mutual entanglement and temporal entanglement that informs our relationship to technology and subjectivity as a process, as you showed. I'm sure there are already questions. Thank you, Mark. It's really a very, very inspiring talk. I was thinking about an expression by Simondon that always fascinated me. The expression is individuations. Human beings are theater of individuations in plural. I would like to know what you think about this characterization, because in my opinion, if each of us is in the context of our relationships a theater of individuations at the plural, we cannot be defined as individuals or individuations.
because individual means indivisible. So my idea is that the very description of us as a theater of individuations would imply a critique of the notion of individuation and going towards a notion of a dividuation. What do you think about that? Yeah, thank you, Mauro, for that question. I agree with you, and we've talked about this before, that the way in which Simondon's theory of individuation is oriented towards explaining how an individual is produced, right, is a limitation. And I think you're right that in a way, maybe what going to Whitehead for me does is allow me to think more about, I mean, I wouldn't say it's the human only, but I would say it's the process in which the human participates, right? So screens, you know, I mean, to get to the focus of your work in this conference, the process in which humans participate is a theater of individuation, right? Whitehead has a distinction between two forms of the subject, right? So he calls it the subject and the superject, right? And the subject for him is always the result, never the source, right? So the subject, and so essentially the subject of these human technical hybrids or human technical systems is the operation of the system itself, not the human subject, right? And he contrasts that subject that's the origin, that's the result of this process, with what he calls the superject, right? And the superject is really what I'm talking about in terms of potential, the potential for the future to become in ways that pick up on what wasn't realized by the past, right? On the potential that still adheres to the past or still adheres to the present as an inheritance of the past, but wasn't actualized in the past, right? So it's that, right? The superjective force of the world, right? That is the source of individuation, right? Or the power of individuation, right? And I would say that, that in some ways we need to approach that from the standpoint of the subjects that are the results of that process or the individuals that we are as cognizers, but it's important to be clear that that's not equivalent to the process itself. That's not equivalent to the individuation itself. So yes, I mean, I'm in full agreement. Yeah, thank you. Is there other questions from Jacopo? Thank you very much, Mark. I like this idea of first dimension of the feeling. Yesterday I was coming from Deleuze, talking of a sort of primacy of the sensation, you know, which I would say is an analog notion. I wanted to ask you if you think there is a place for desire, and I would say as desire as like coming from the unconscious more than from the free will or like the ethical part, more the psychoanalytical or post or anti or schizoanalytical in this conception, because in this extended sensibility, I also see, and therefore extended cognition, I also see an extended unconscious, but I wanted to know what you think about it. It's a good question. Yes, I think there is a place for desire. But I guess the question would be, how to think that, you know, because what I'm interested in getting at, and what I feel like myself in my own, you know, like in Feed Forward, I conceptualize
kind of sensory data that is given to us by all of the technologies that we use as data about our own, the present of our own sensibility, as I put it, that we are not, that we don't participate in as it happens, right? And I theorize feed forward is the operation by which that data is brought to consciousness later. And the problem with the, what I now see is the problem, or what I now think is the problem with that model, is that it doesn't, it leaves the human completely the way it is, right? Doesn't change the human. So the question really would be, how does desire change, right? How do we have to reconceptualize what desire is, right? When it's part of this larger process of feeling the past that we engage with together with technologies, and we, right? The we there is a problem, right? Because we are not the subjects of it. We are not the privileged subjects of it. So what is that? What kind of desire is that? What kind of unconscious is that? That's the question. Yeah, I totally agree with you. Thank you. Thanks. Bernard. So this may just be a totally bizarre question, but it's kind of a devil's advocate argument. So, you know, I'm thinking about this overcoming this bifurcation that you suggest. And, you know, the whole thing is really extraordinary and persuasive. I wonder, though, and you pointed on this because you're interested in some specificity of the human. So, you know, and I wonder to what extent this attachment to prehension, to feeling, number one, I wonder to what extent that reinstitutes another kind of very classical bifurcation, right? That produces a certain kind of vision of the subject. And also, you know, when I think back to something like with Descartes, it does seem to me that something interesting is going, it's maybe, I'm wondering if something else is going on there, right? Because it's also, I mean, there's also an intervention there, a polemic, arguably, that's, you know, also, you know, for very specific reasons, trying to produce an account of a subject that can do all these reasoning practices that ourselves not exactly just limited to the human head, because there's so much reliance on things like mathematics, right? And, you know, so already there, I think you could even say that some classic accounts of the division of the subject presuppose and have built into them this wonderful capacity for enhancing a kind of human cognition and reasoning that is itself distributed and technical and that deserves some kind of valorization. Did you see what I'm saying? I'm sorry if this is a random. So what is the bifurcation? What is the bifurcation that you think that? So the first thing would be, to what extent are you, you know, are you valorizing another kind of old concept of the human that is, you know, privileging feeling, that's privileging prehension, that is itself it's already a kind of putting apart the specificity of the human that maybe it's critiquing or responding, it's offering a critique of this vision of the liberal human subject, great. But is it only to recover another model of the subject that maybe predates it by, you know, a couple hundred years or whatever, but nonetheless is a new bifurcation that just puts us in a different puzzle box? Do you see what I'm saying? Is that crazy, or is that? Well, I mean, you know, when Whitehead talks about feeling or prehension, he's not. I mean, in a way, he is thinking about humans, right? Because as he says, his task in process and reality is to resituate the human in the larger context from which, you know, human consciousness and human cognition and human mental and creative capacities arise, right? So for him, in a way, the human is the pinnacle of the cosmological process, right? But he wants to do that in a way that doesn't get there by simply stipulating that humans have some kind of special privilege or special faculties, right? He wants to explain the human as emergent in the same way that everything else is, right? So feeling for him is not about humans, right? Feeling is about process, right? It's about how one, the new moment is creative or is iterative of the past, right? So
Feeling is the way in which the new moment conforms to the past, right? And so, yeah, what I'm then trying to do, so I'm trying to use that as a kind of neutral ontology, right? To understand, to be able to think about, you know, cognitive assemblages, cognitive ensembles, whatever we want to call them, technical human hybrids, right, in a way that hasn't already privileged the human, which I think is what I'm saying Hales is doing, right, and other people are doing, right? So, yeah, but then I also am committed to the idea that human experience in higher grade processes or higher grade societies of actual entities, right, does have a role of being able to value and evaluate, you know, other beings, right? So one thing that Whitehead is committed to is the idea that value and importance isn't given to things by humans or by judgments that humans make or any other entity makes. The value and importance of things is their own participation in process. It's part of the things themselves, right? So the line I'm trying to toe is exactly that, trying to give an account of these technical human systems that doesn't privilege the human from the get-go, but then is also able to do justice to the special role that humans do have within those systems, right? Without it being a privilege, right? With it being an emergence from the process that the system is, or the ongoing process that the system is. Right? I don't know if that answers your question. So I don't know exactly what you mean by reinstituting an older bifurcation, because, you know, Whitehead draws this idea of feeling from Descartes, but in a way, what his aim is in his reading of Descartes in Process and Reality is to insist that too much emphasis is put on the cogito and not enough on the sum, right? That so for him, the cogito is caused by the prehension or the feeling of the objective world, right? It's not a special separate entity, right? It's an emergence from that world. I don't know. Does that answer your question? I don't want to. No, it's. I think that we can. You can answer. It's something I'm thinking about. I hadn't thought about this before I entered the room. So it's a work in progress. But you know, I find all this very persuasive. The question though is, when I dig down, I'm like, but if the point of departure is feeling, right? Can one really have feeling as a central concept that does not have built into it some anticipation of something specific and privileging the human, right? Is the concept of feeling itself charged with a certain kind of humanness or humanity or what we think is something that's different about humans and distinct about humans besides cognition, or you know, and if that is the case, I don't know if it is. Obviously, animals feel too, right? But well, in Whitehead's terms, rocks feel too, right? Rocks feel, but they feel by simply reproducing, you know, the reproducing the past without changing the past, right? So that's a form of feeling. It's a very low grade form of feeling, mm-hmm. right? So I mean, in a way, Bernie, what you're getting at is how difficult it is for us to change the way that we think, right? Because we do think in terms, you know, we do think in terms of subject predicate logic. We do think in terms of, you know, our privilege, right? And so, you know, Whitehead in a way is asking us to think about ourselves in a very different way. I guess your question is, can we do that, right? Can we actually think feeling the way Whitehead wants us to think feeling without some covert, latent orientation to, you know, humans and higher order animals that have more complex feelings, right? I think that this would be a wonderful bridge to Bernard Gottinger talk. So thank you again, Mark.
if it changes. Yes. Perfect. You have some of that? I have some of it, yes. Thank you. Could I have a second bottle just in case I get very parched? Merci. I just make sure I have this. Okay. So I was saying to Danilo, I have, when I'm speaking to audiences, even in the United States, my heart starts beating fast and I start speaking very quickly. And it's terrible for English speakers too. So I asked Danilo to give me a little wave, but anyone should feel free because it's hardwired when I'm in front of a crowd to start speeding up. So please let me know if I'm too fast. Okay. So I will briefly introduce Bernard Dionysius Goguenon, who is a senior lecturer in history and theory of digital media in the Department of Digital Humanities at King's College London. Before that, he taught in Paris, Berlin, Coventry, and New Haven. His writings on the mutual construction of cultural and technical sciences have appeared in Critical Inquiry, Representations, and Grey Room. And I also recall the title of his book, Code from Information Theory to French Theory. He also worked as a curator, including in House der Kultur and in der Welt. And the title of his talk is Screening the Environment from Rough Waters to Compatible Grids. Okay. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un honneur d'être à Lyon avec des collègues que j'ai longtemps admiré. Thank you in particular to Jacopo and Amoro. You know, it seems to be one of the themes of the conference, and some of the discussions during dinner last night was partially about a kind of vision as being something kind of collective, a kind of community of vision. And so, you know, of course, I really, you know, thank you to Mauro for being, in a way, our arche-écran to help us, to force us to see collectively. Although, you know, after hearing Mark, I'm also interested in the idea that this we could also be a society for intensification. So it's a great honor to be here. La majorité de ma présentation sera en anglais, mais je voulais commencer par résumer mes idées principales en français. Et je retournerai ensuite à l'anglais. J'offre donc aujourd'hui une courte histoire de ce que je nommerai, en référence aux écrits de Christian Metz, les régimes scopiques du numérique. The scopic regimes of computation, imperfect translation. Ma discussion contiendra deux parties. Premièrement, comment l'aspect visuel du numérique s'est développé à partir de technologies de contrôle de l'environnement, tels que le radar et les mécanismes d'artillerie, la manière dont les écrans informatiques semblent faciliter la production de territoire me paraît être un des vecteurs principaux par lesquels nous vivons parmi les écrans aujourd'hui. Ensuite, je identifierai deux technologies clés dans le développement de ce régime, la table astronomique et la casse à sable des simulations militaires. J'ai choisi ces deux outils d'abord pour leur rôle central dans les émergences de ces nouveaux régimes scopiques. Mais j'ai aussi décidé de me commencer sur ces deux inventions pour leur élégance élémentaire, c'est-à-dire la manière dont elles nous entrent dans un monde d'objets mathématisés qui inclut le ciel, la terre, l'eau, le feu, le soleil et la lune. La terre, la mer. Cette connexion entre éléments
an elemental world, a world of natural materials. Et média fait partie d'une de mes propositions principales, que nos écrans sont liés d'une manière profonde, matérielle et culturelle, à nos environnements. Mais cette connexion offre aussi une alternative à des tendances contemporaines dans l'étude des médias qui considèrent les images numériques comme désincarnées et immatérielles. Aujourd'hui, je prétends au contraire à une numérique déterrant. Notre vision informatisée et l'environnement se mélange, où le soleil, la terre et les océans deviennent eux-mêmes des lieux de mesure et de calcul. Alors, my first point. So the scopic regime I'm talking about today is, first and foremost, a visuality of points, vectors, and ratios culminating in addressability, right? And this addressability, I think, is very closely related to what we just heard about with the cible beforehand. It's a different way of saying the same thing. As Ranjad Singh Dhaliwal has argued, quote, addressability, the condition whereby addressing or the practice of giving a locational spatial index takes place, undergirds all computing as we know it. Pixels on a computer, web and IP addresses, values on a spreadsheet, all these instances pivot around a problem of rendering an often vast and unruly space into well-demarcated addresses. Your computer can't do anything unless it knows where the data is stored, where to send it, how to display it. Whether we're talking about a screen or whether we're talking about a spreadsheet, addressability is everything as far as a computer is concerned. This focus on addressability reflects the roots, I'm arguing, of computer visuality in environmental articulation. Computational images produce environments via images that incorporate bodies, instruments, and space into a single recursive system, what elsewhere I've termed an ecology of operations. A brief recap of where this comes from as of my previous work. So two key examples. Of what I mean. It's just basically, where do digital screens come from? Where do computational images come from? In the 1910s, the Sperry Corporation in the United States produced the first real-time computational imaging device. It worked with pencils and crayons. The Battle Tracer for warships, which synthesized human observations and mechanical data from across a warship to draw a real-time image of friend and enemy ships on the battlefield. It's very hard to shoot anything down, as we know. And that's even more so when you're working at great distances with two moving objects. And because you also need to predict where is the object going to be in 30 seconds or even 2 minutes by the time your artillery hits it if you're at sea in 1915. So the operations of this machine included telescopes, bells, logbooks, and maps, all manned by humans feeding data into the system for an information-wide kind of information collator that visualized and targeted the enemy via this little drawing machine we see here. On the basis of these images, war could be waged at sea as a collective effort allying body, machine, water, and sky in a single environment of technological and environmental production. In the 1940s and 1950s, these technologies took a major leap forward with the invention of radar, which applied similar techniques to the mapping of the sky in an era of jets and atomic weaponry. Gradually, these technologies to cover all of North America, this is actually a defense base in Canada, paid for by the US. Gradually, these technologies came to cover all of North America, allying tens of thousands of soldiers in the real-time activity of coordinated territorial production through watching everywhere all the time, because if you miss a single moment, one plane drops a bomb on New York City. So hence the extraordinary efforts put into devising these interactive networked images that became the basis for the graphical user interfaces of digital computing. This is the invention of computer screens as we know them.
as well as the touchscreen, the mouse, and a visual language that freely mingles symbols and icons in visualization, particularly traveling in vectors and flights across a screen. As with the battle tracer, the visualization emphasized lines, ratios, and vectors. Danilo, of course, you know, outlined some of the larger history of this. Although, you know, and I just was saying to him, though, I would also really, I think that this is very closely related to what Alice was talking about, because it's these are really about reaction, how reaction forms an ecosystem, and how it synchronizes a digital ecosystem through this essential relation between écran et peau. And this is also speaks to Mark's point. They say so much, they say again and again, they explain the whole purpose of these systems is to empower human judgment. The machines will do the watching everywhere, and the person will watch it and know when to react. And so I'm not gonna say a lot more about it, except to say, to me, when Alice was talking, part of the reason I was so excited was because it was confirming this entire history I see of what's going on with digital visualization and how it pivots around a particular type of subject responding. So let's start with a basic observation, and that is the way computers see the world is totally bizarre. It's not in terms of familiar landmarks. There's no trees, there's no clouds. What computers really see is a symphony of lines, points, and vectors, along with mathematical derivations made visible so that they can be bent towards some type of human endeavor. How do we get to this kind of bizarre vision of the world? It's extraordinary. It's totally extraordinary. So a deeper history would ask that we speak of a Renaissance perspective, of the rise of elementary ballistics, of the cannonball, such as we see here, and the rise of a modern global cartography. I'm already starting to speed up. The rise of a modern cartography by which the empires of Europe mastered the world. However, a more decisive and important point of origin are those places in the world where experience itself reflected a similar environmental expanse. That is, the open sea, the open sky, where familiar landmarks were abandoned, where heavenly bodies offered the best escape from treacherous waves, winds, and tides threatening to draw a ship and its sailors to the bottom of the sea. When you are at sea, or when you're flying high in the air, you have a horizon and you have points. Occasionally you have lines, which is to say earth. That is what you see, right? And so I'm telling a story, the visuality that comes out of these places. So across the 17th and 18th centuries, scientists and instrument makers across Europe, but in France and England in particular, made tremendous leaps forward in determining longitude and latitude at sea. The main instruments of this measurement were astronomical tables, which combined observations of the place and motion of celestial bodies, the sun, the moon, stars, where they appear at certain times of year, and with predictions about where they would move going forward. And then, of course, you had other devices, so you could figure out where you were on the planet, how far you were away from that. So you had calculations describing, here's what we would see at this particular time from Greenwich. Now I got to figure out where I am in the middle of the Atlantic and correlate to the movements. So the astronomical term is key here, the astronomical table. It has the time, it has the place, it has everything. And this could be nonsense, but I mean, during dinner last night, I was actually thinking I would like this to be a certain site of an actioning of a kind of archer écran, in the sense that at least we have something here that allows us or compels us to see a certain disposition of vision and of the environment, although it's not a visual screen in the classical sense, but it puts a particular visual order, it helps it click into place. I'm tempted. I'm thinking about that. Astronomical table was just one element. We needed, of course, the compass to orient oneself, not only to the land or to the poles, but most crucially to the stars. You needed a logbook by which you kept records of times and observations at sea. Right? You got to reconstruct the whole data.
This you needed also the sextant, sometimes an octant, a highly sophisticated visual instrument for measuring the angle of distance between a celestial body and the horizon. So, you know, you basically, you look through the telescope, you spot the star you're supposed to spot, and then that arch on the bottom, you use that to measure the distance between that and the horizon. Extraordinarily sophisticated, advanced calculating instrument. That also holds the whole system together. And finally, you needed a chronometer for keeping time. The ongoing observations could be correlated with predictions of the astronomical table. In particular, you had to figure out how far you were from Greenwich and so on. On the left, we have these kind of popular diagrams of how these systems work. I stole from the Smithsonian Institute. So here we see the elements working in concert, forming, as I said, what I've called an ecology of operations, in which practices, instruments, and the sea form a recursive system by which the rough waters of the sea become a calculable grid. Longitude and latitude appear, which is great because there's nothing else to see. You know, and this is, you know, part of the point of this talk, right, is, you know, sometimes media studies talks as if there's this great rupture in vision where when things become discrete and numbered in lines and points, that's only one, you know, but if you were at sea in 1850, if you wanted to see anything, you had to make sense of it in terms of lines and points. The alternative was to imagine sea monsters, you know? So it's a form of vision that's totally computational. There were, of course, a great deal of supplementary tools and guides, methods for correcting false observations of the stars due to the way that light refracts as it comes through the atmosphere and so on. I'm not going to go into all those details today. And yet, a great political and economic danger threatened this system of visual order. Astronomical tables were riddled with errors, both from printing mistakes and errors made by a certain type of human worker, a so-called computer, who, you know, it's hard to do long equations constantly correctly, and the tables derive lots of equations. So this introduced a great rupture into addressability, the proliferation of errors that regularly landed cargoes and their crews at the bottom of the ocean. In response, one English mathematician, Charles Babbage, developed a wholly new method of instrumental calculation, a new addition to the calculating instruments, such as the sextant and the chronometer. His proposal was the difference engine, the first workable plan for a modern analog computer that caught attention around the world. Now, his device, he never really got it up and running. You know, it was supposed to provide the consistent, regular calculations of the tables. However, other more successful machines appeared, such as those produced by the Burroughs Corporation. So mechanical calculation promised a new articulation of signification, instrumentation, and space, in which the tireless regularities of mechanical gears created a flawless numerical description of the ratios between sky and earth, sea and human observer. By numerical protocol, they all became one system of visual computation. So here in a network, let me see, do I have this on? Yeah. So here in a network of instruments, paper and equations, this network of instruments, paper and equations bound sea and land and earth, as well as the skies, into the first robust, totalizing scopic regime of computation. A field in which matters of mathematical addressability, of the ability to computationally assign accurate points and derive accurate vectors, formed a total environment. Now, and again, part of what interests me is the scopic regime of computation did not so much map the environment. It didn't impose a map on the environment. It elicited the mathematics of the environment, of the numerical ratios embedded in the moon, the sun, the star, and the tides, disclosed to the sailors by tabular knowledge.
Now, astronomical tables were among the most decisive sources for scopic regime of computation, and one can draw some direct links between these techniques and the development of a rise of modern computing and graphic user interfaces. However, I don't want to suggest a clear line of development, a simple technological progress between the computational visions of nautical navigation in the 19th century and the computational visions of, say, US aerial defense in our computers. What we are really dealing with when it comes to the scopic regime of computation is a series of genealogical mutations. Even if the lines and vectors of that scopic regime seem regular, the genesis of that regime is irregular. It is marked by detours, hybridizations, and quite simply, sometimes by chance. Thus, I would like to briefly point towards another technology, the aforementioned sand tables, cas a sabla, a supplementary but key instrument in the scopic regime of computation. As media historian Matthew Kirschenbaum argues in a forthcoming article in Critical Inquiry, the sand table opens up a granular history of media by which the particles of the Earth furnish elements for producing addressability in lived space. It belongs to a larger family. Do I have any? Yeah. It belongs to a larger family of tabletop simulations that took shape in the 19th century. They reached their height of importance during World War I and World War II. As a 1924 guide for the French army explained, these simulation devices offered a tremendous advantage. Faced with meager and challenging circumstances of battle at war, they could be built on the fly with materials ready to hand. It was a way of producing a calculable environment as you went with very simple materials. By means of sand and metrical measurement, the chaotic battlefield submitted to orderly and logical modeling, on which various troop measurements could be planned. The standard measurement of distances on the frame, and of course the view from above, lent to its users an abstract and totalizing geometry of space into which troop movements could be planned. So the scenes of hills, of trees, of human bodies became elements in the organization of an architectonic field of geometric relations, availing to users the vectors, ratios, and points prerequisite to addressability. From the 1960s onwards, sand tables were gradually overtaken by new forms of electronic simulation, particularly as computers gained popularity among cartographers, military planners, architects. Nonetheless, far from simply being overtaken by computing, when we really dig into Cold War computing, we find the ubiquity of the sandbox. So for example, the RAND Corporation, which played a major role in the development of radar defense, employed sand tables to model warfare. Danilo talked about the Systems Development Corporation, which was a kind of part of, is actually what kind of what I'm talking about. They're part of, the relationship to RAND is complex. You know, all these Cold War simulations frequently made use of both informatics and sand tables. Here we see a proposal that the Eameses, Charles and Ray Eames, put forward in the 1970s for an IBM exhibition center, which also gave sand tables, you can sort of see them on the right there, prominent place as tools for rationally imaging and visualizing environments. Though the US military today makes more pervasive use of a kind of digital sand table, they also reappear in diverse settings, oriented at producing a calculable environment defined not by trees and bushes, but rather as an experimental grid undergirded by points, vectors, and ratios. Here we see, for example, the sandbox of Hito Shirow's duty-free art installation from 2016. So like the astronomical tables, the sand table belongs to a system whose purpose is rearticulation of space as lines and vectors for display on a screen that allows command and control over the environment. Like the battle tracer and radar, it models interactive visuality,
perpetually collecting data from eyes, ears, hands, and instruments, measuring the currents of water and the wind. Its representational function is servant of a more fundamental goal, which is intervention by means of addressability. Taken together, the astronomical table and the sand table form key elements in the formation of a scopic regime of computation. That's what comes next. By which symbolic orders, technical codes, absence, and political structure produce a robust visuality. And also, I mean, I'm not going to say too much about this, but this was also one of the things I was very struck about Marta's invocation yesterday, or discussion of the post-digital, and how the post-digital is partially about how we live in this world of material practices, materials, and in fact, after all types of encounters with the computational, we return to that physical world with a kind of new set of visions and affordances, which I found, to me, was a kind of extraordinary way of thinking about what these devices do. You know, we are all in kind of in a post-digital culture, in a sense, or at least post-computational scopic regime culture since the early 20th century. And I, you know, again, I found myself wondering if one fully accounted for this mutual structuring of computation, vision, the environment. I did also wonder to what extent you might undermine this bifurcation of the human and machine that Mark was talking about. Or are you, in fact, just reinstituting it around the radar operator who suddenly becomes the liberal subject? I don't know. 19th and 20th century scopic regimes of computation do not map perfectly onto our visuality today. Mutations and adaptations in visuality are ongoing. Nonetheless, we see diverse aspects of that visuality alive today, in platforms as diverse as JPEGs, MS Windows, computer-aided design, video art, where scopic regime of computation favors vectors, fields, planes, and flow. I've been watching a lot of Pixar with my kid lately, Pixar movies, these animated Disney movies. And it's, you know, the great pleasure of these Pixar movies is the digital animation, because you have a kind of mathematical flow on the screen that reflects not really anything drawn by hand. It's vectors, lines, and points that are composed in these scenes that, you know, animators are of course active, but they're really acting more according to the structured protocols of an operator for whom there's an entire system governing what type of representation can be processed, and to ensure that the whole collective of, you know, you've seen how many people are listed in a Pixar credits movie. In order for those people all to work together, they all have to be operating according to a set of shared rules for representation that are essentially computational. So, moment. So, en effet, avec conclusion. So, en effet, avec Zoom ou les présentations PowerPoint, nous sommes tous retrouvés et mêlés dans les opérations structurées de notre numérique contemporain et visuel aujourd'hui. Je vous remercie donc non seulement pour votre attention, mais aussi pour votre participation active aux techniques du régime scopique du numérique et ses transformations de l'espace. Merci. Thank you very much. I think that there were a lot of connection with some. Thank you for outlining this scopic regime on computation. But I think there were a lot of connection with the talk by Marcello Vitali Rosati of yesterday and Danilo. So I'm very happy. And please, if there are some questions, Andrea Pinotti. Thank you very much, Bernard, for your inspiring talk. Just a question out of a need of clarification, because when you say those maps are not superimposed on the space, but they elicit a structure which is embedded in the space itself. So is this your position, or is it a position that is
perhaps in need of justification or perhaps a deconstruction in the mm-hmm. rhetorics. Because it sounds to my ears very Pythagoric, Platonic, Galilean position. Mm-hmm. So just to draw a very quick line, because nature is written in mathematical script, so to say, you know, so we discover what is already there. Because I was thinking, for example, in comparison with astrological maps, that they are superimposed because those stars know nothing about their interrelation, but they look like figures, like mm-hmm. the Pisces or the Virgo or whatever. And they were used, as you certainly mm-hmm. very well know, as instruments of orientation. Mm-hmm. This is because I would rather go for a constructivist position rather than a position, I don't know how to call it, perhaps objectivist position or naturalistic position. Mm-hmm. Because if I think, for example, of research about the origins of geometry in the phenomenological domain, Husserl, Merleau-Ponty, Derrida as well, or the transition from the universe, as Alexandre Kojève described it, from the universe, I don't know what's the English translation, cosmos? More or less, they use the universe of the more or less of the approximation to the universe of precision in mathematical terms. So there you have a whole temporal and historical transition, which is, I think, rooted in bodily practices mm-hmm. and not just something that you find there in nature. Mm-hmm. I would very much like to know your opinion about that. Mm-hmm. I think I agree with you, and I also hold fast to my analysis. Okay, so you know, to be sure, okay, there are cases of where we have maps and we draw them and we map them under the sky, and I, you know, I do think in general it's safe to say that, you know, however we represent or code the world, I mean, there's no perfect map. You know, the symbolic system is always irregular and has its limits. Nonetheless, here's the question for me, and I'm trying to figure, and I also think this is a way of trying to come to terms with the bifurcation Mark talks about in a different way, which is basically what they're talking about are orbits, right? They're not really talking about where the sun, where the moon is, or where the stars are. They're talking about the system of relations by which these things move in relationship to one another. Okay, and so the question for me, for example, it's one thing if I want to give you a map of the solar system and say here's where everything is. I think it's a slightly different thing if I want to say the planets orbit, and if I can give you a description of that orbiting, that description has a historical specificity that's different in different epochs and times and places. I don't think Galileo's notion of the movement of bodies is the same as one 500 years earlier. Nonetheless, that description, though, I do think it's actually trying to unearth a set of relations that are embedded and imminent to the physical world, and that these ratios they're describing do, in fact, I do in fact exist, right? That these orbits and ratios are embedded in the world, and so what I'm trying to say these astronomical tables are doing is they're not. Sure, they're trying to mathematize nature, but I think they're also, in a way, allowing a set of relations in the world to speak. And I want to, and by emphasizing that, in a way, what I want to sort of do is I want to kind of actually find a way in which our analyses, our models, our bodies, our writings are actually kind of part of an environment, not just gazing upon it from without. We're trying to let that environment's relations expose itself. But I can see there's a, I can understand the critique, but ultimately I do think that those orbits are there and they're kind of expressing themselves as opposed to us just trying to map them. Do you know what I mean? Danilo.
Merci pour ta présentation, Bernard. Je vais faire la question en français, mais tu peux répondre en anglais. Deux questions en fait. J'aimerais t'écouter parler un peu de la relation entre les techniques de vision dans les militarismes et le passage aux protocoles commerciaux, sociaux. J'aimerais t'écouter encore parce que on trouve ça dans tes textes. Hein. J'aimerais t'écouter un peu, parler de ça, comment nous passons à utiliser des choses qui viennent de cette dimension militaire. Je voudrais savoir si tu vois une primauté du militarisme dans nos techniques de vision, vraiment. Et une question plus spéculative, parce qu'il me semble que ce qui arrive dans les milieux militaires, les techniques qui sont développées, elles nous apparaissent peu à peu, historiquement. Historiquement, nous pouvons trouver qu'est-ce que l'armée américaine faisait. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant dans l'armée nord-américaine, par exemple? Tu sais quelque chose ou tu imagines quelque chose à propos de ça? Et ça a une valeur spéculative sur notre futur, à ton avis? C'est ça. Merci. So thank you. The question of the priority of military technologies is very challenging for me because I don't want to assert the priority of military technologies. But they're everywhere I look, and they're inescapable. Because even the East India Trading Company of England, I mean, it's hard to not say that's part of British national security. It's not really economic, but it is. So, but nonetheless, in a way, what I'm trying to do with this analysis is to find sources that are not strictly military to suggest that navigation and, you know, other forms of kind of mathematical practice, wayfinding and so forth, form part of this composition. But I don't know if every time I try to distance myself from the military, I feel pulled back in. One other thing, to talk about the situation aujourd'hui, again, I would actually think of like Alice's talk in a way, right? Because what's one of the things that's interesting to me about these reaction videos that Alice showed, right? It shows that what I'm understanding as a scopic regime of computation is extremely complex. So one of the things as an American that struck me so much is of how many horrifying and also incredibly humanizing videos we've seen come out of Ukraine from people's cell phones in the last months. They're incredibly moving, right? And you know, that visuality of Ukraine, its appearance is also related to kind of global information systems and so forth. But I also notice how much I experienced it being quite different from watching American news ever saw wars in Iraq and Afghanistan, right? Iraq being the famous example with the first war, you really had a proper scopic regime of computation in the sense where everything you saw happening in that first invasion, in America that we saw on CNN, that first invasion of Iraq was these little movies shot from the front of missiles as they went into a house. But you saw this a lot in Afghanistan too, the cameras from helicopters, where, you know, that's the way the drones see the world. You know, you see a much more classical computational vision of the world that effaces real bodies to produce just abstract relations that are manipulated, and you know, and it seems to me, of course, Iraqis and Afghanis have, and Pakistanis have cell phone videos too, right? And I never saw any of those videos really. And I point this out because one of the things that it suggests to me, okay, even in this regime of scopic. The scopic regime, there is incredible differentiation. The new emphasis on particular types of reaction videos and humanizing is, for example, a decisive mutation in which I would want to include that reaction as part of this recursive system of operations that I see developing in 19th century. Computational vision requires an active responding human in it. And yet,
you know, there is, and yet within that, there's incredible differences. And to explain what we saw out of Iraq versus what we saw out of, what we've seen out of Ukraine in the last few months, you need computational vision is part of this story, but there are obviously other major forces that operate upon it, that make it, that agent it, that make it, that mobilize it in different ways. And then also, I do think in the longer run term, I think future wars, even if they're led by the United States, I think they're going to look different after Ukraine. You know what I mean? And so this change, this kind of irreconcilable difference of visions of digital movies coming out of different places, speaks to me to the fact that you can speak of a general architecture, but there are other things happening that are a constant flux of transformation that have other things to do with other economic and technological powers, military powers. So if I may, I have a question that is very much related to my own research. So I'm sorry if it won't be specifically related to your talk, but I think so. I was wondering how, in your opinion, there is a shift between technologies of visualization, and you showed very well the connection with the military genealogy of all of that, to technologies of anticipation, in terms of futurology, in terms of what we could call a sort of form of the divination of our epoch, that affects the way we conceive climate change, finance, economy, yeah. But up to online dating as a form of constant projection, form of visualization of the future that affects our present. Thank you for that. The question, I suddenly realized something powerful and important, because I assume it works the same in French, divination, right? I mean, divination is a very important word, right? And I like that, because I'm trying to mobilize this way that making sense of the stars is about charting and controlling life on planet Earth. Professor Panotti's question, I don't think I adequately answered it. However, but there's something here, because this emphasis of trying to say it's not just a map, you know, I'm trying to find a way of our embeddedness in this scene and the way it embeds us that isn't just reduced to abstract numerical calculations, but a set of relations in which we are embedded. And so this idea of divination I found incredibly powerful and useful as a way of reorienting this analysis. And there's also, Max Weber has this claim in passing, and he's not even talking about the Europeans, but he talks about the massive transformation that happened in global commerce when people oriented themselves towards the stars. And he says that as people oriented themselves towards the stars, it massively transforms the way people move things about on the planet. And so what I like about this using divination is because it suggests a longer set of histories and relations and, you know, a desire for control and prediction of the future that, you know, is built into the sea navigation, it's built into the radar and the shooting down planes, it's clearly built into, you know, why the American housing market collapses like every 5 or 8 years, because their models of what's going to happen in the next year are wrong. They're trying to divine the future and it never works. So I'm getting so excited by the question, I've already lost my point, except to say, you know, I guess what I like about the way you phrased, this isn't an answer, this is just an appreciation of the way you phrased it. If one talks about divination, I think one needs to somehow co-articulate this search for a divine and celestial control that I'm trying to say infuses computing and infuses computing for centuries, that is part of our machine today, and yet at the same time is actualized in the present according to unique systems of technology and economy and politics and conflict that are also totally singular. Do you know what I mean? That's not an answer, but and the one other thing I did want to say, that we had this long conversation last night about the video artist who of the installation concerning the migrants. Carne y Arena.
I mean, you know, so, you know, we were talking last night. I just want to mention this kind of as a side point. I mean, to the Ukraine thing, I mean, this example you gave of this extraordinary manner in which virtual reality is being used to simulate transits, for example, across the southern U.S. border from Mexico. I mean, to me, and you know, and it's all about embedding the person in the experience. And so, when I think about that and I look at this talk, I do sort of think that there are all these ways that I do kind of think there's ways to mobilize this and push it in different directions through artistic and other attachments. Anyway, sorry. Yeah. Thank you. So I don't know if there's time, but. I really appreciated of your talk, and in particular the fact that to me it was a sort of showing a analogic genealogy of digital, as if we are we tend to think as calculation as a way to decompose in a quantitative way the world into I don't know, either code or like pixel is a good visualization of these small bricks through which we try to recompose the world that is reduced to a code somehow. And well, here you showed how instead I'd say calculation is more rooted into analogy. Yes. When you are in the sea and you have to use that sextant in order to orientate yourself and create in this way a map, what you're doing is sort of an analogic action. You're somehow drawing a diagram. We were talking about yesterday a bit. And I think it's very interesting because you can actually see how there is this dimension that maybe has been a bit forgotten or in the back now in our usual conceptualizations of digital. But I think it's there. It should be primary. And diagram, and that goes back 1 second to your question to Mark before. I think diagram, at least for Deleuze, is linked to sensation, and I might say feeling. And when I think about orientating with the stars, I think that's already feeling. Mm-hmm. That's the past of the stars, and that's your implication in the map that helped drawing the map. You cannot draw a map without being there, but at the same time, you're not central in the map. So I think that. I don't know, but it was very stimulating in articulating all of this, so thank you. So thank you for that, and if I can just respond in brief. So I, you know, I'm really grateful to you for highlighting this, the analogical dimension. You know, computers are different. They look different when you start from analog computers. And again, I keep coming back to Professor Panatti because I don't feel able to adequately answer the question. But this notion of whether or not this is just a symbolic map, when you're starting from analog instruments, it's really, really different than digital instruments. Because analog instruments, of course, there's not an identity between the analog and its original, but it's all about embodying physical relations that work because we're all kind of, we are part of those relations, as are the instruments. And so, you know, in a way of kind of understanding a kind of relationality of these visions, the analog provides some kind of inspiration that I can't fully articulate, but it also, I don't know if it works, because when people talk about the mathematization of Renaissance and yada, of course these people were using analog machines too, but nonetheless there's something in there that I want to use to fight against this bifurcation that marked Mark talked about. If we can think of computation as also analogical, I think in a way we can kind of overcome a certain sense that it's totally abstract and constructed, that it's part of something real of which we are also real, though hopefully not part of a homogeneous, flat scientific materialism that's just, you know, atoms. But thank you. Thank you very much again. And. Thank you to all the speakers this morning, and we now
have a break until 3 p.m. and we will find here in this room. We're in the same room in which we have a break. Okay. And yeah, that's just like we have some time. We've been running late this morning. Un quart d'heure à l'avance. That suggestion that there's a problem with divination is like a huge gift for me. I'm so happy because it's something I've been writing lately. Yeah. Because I tried to develop like an archaeology of the frame, yes. The dispositive of the frame, through divination, especially, you know, the temple. It was like the outline that augurs used to draw in the sky, just to delimit the space they were supposed to look at the sky in ornithology, so the observation of birds. That's fascinating. Life. And actually, I first get into that because of something that I found in Ziget's book about cultural technique. Oh, yeah? But he doesn't mention actually divination. He speaks about the templum as something that is not, because it is connected to the grid of the town, the Roman, mm-hmm. the Roman town.